vais demander à un conseiller, ne quittez pas. Ah. Nos services sont actuellement indisponibles. Pareil, c'est plus tard. Le serveur est up. Yep. C'est tellement vrai en plus. Oui, tellement. Genre de service qui te font patienter pour au final te dire c'est fermé aujourd'hui. Ok. Ah, c'est vrai que j'ai m'étais fait une petite clé. What up? Petite clé pour ouvrir une petite porte. What up? Bonjour. Bonjour Benedict. Ah oui. Ah, premier truc que ML va pouvoir montrer. Bon, au final, voilà, on a commencé un autre mode. Tu as la clé. Premier truc que ML pourra montrer. Tu restes clic droit dessus. Je me casse d'ici, au revoir. Et je relâche. Ah non, tu, voilà. Tu restes au revoir. Au revoir. Adieu. Zoom. Ah oui, c'est vraiment un cube. Ouais, c'est un cube, ouais, il y a rien. Mais tu peux mettre ce que tu veux dedans. Ah, il y a un autre cube à côté du cube. Ça doit être ton cube. Bonsoir. Je pense que les cubes des joueurs sont l'un à côté de l'autre. Je vois ton cube. C'est possible, ouais. ML, je vois ton cube. Du coup, je me demande. Est-ce qu'on pourrait pas stocker la bouffe dans ce cube-là, vu que le cube n'est pas Chunkload? La bouffe ne bouge pas. Comme je t'ai dit, la bouffe, elle est calculée d'un point de vue... La date est sauvegardée dedans, donc tu vas la sortir du cube. Enfin, tu vas aller dans le cube et d'un coup, elle va decay d'un coup. Ah comme oui, le, c'est vrai. Oui, comme le barrel. Comme le barrel, ouais, c'est pas bête. Par contre... Ah, dommage. Je serais curieux plus tard de... Ah bah attends, je vais retourner dedans. Je me casse à nouveau, au revoir. Gardez d'eau, je serais curieux de voir la température qu'il fait dans le cube. Ouah, il disparaît. Parce que pour le stockage, par exemple, ou des trucs dans le genre... Ouais, c'est peut-être pratique, ouais. Température 40 degrés. Il fait un peu chaud. 40 degrés. Fait un peu chaud. Ok, quand même. Ils ont fait exprès pour que tu puisses pas utiliser pour stocker. Ah oui, effectivement. Ah oui, ils ont tout pensé. Hein. Ah ils quelle bande d'enflure. Hein. Par contre, je me demande si on pourrait pas mettre un arbre ou autre chose là-dedans. Un arbre fruitier parce que 40 degrés là. Là, ça envoie les cultures tropicales. Hein. Ah, on est le 6 mars. Hein. On est le 6 mars. Hop, hop. Bah non, on est pas en mars, on est en février. Que bête. Early spring. Faut que son switch aurait. Ah oui, winter c'est vrai. Winter is over. Faut qu'on se switch aurait. Mais winter is over. Enfin. Faut qu'on se switch aurait. Aurait. Faut qu'on se switch. Qui se répète. Je devrais vous laisser tous les deux là-dedans. Ah. Oh. Méchant. Moi je voudrais qu'Amel il fasse l'intro. Le printemps arrive. Le printemps arrive. Du coup, si c'est le printemps, il faut que je travaille sur le nouveau champ, moi. Edo, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? Par contre, aucune idée d'où je l'ai trouvé. Hein. What did you got it? Bah, moi je le pose là. Oui, ok. Bon, c'est... Oui. Ça me semble être un endroit stratégique. Attends, bouge pas. Okay. Ah. Sinon, j'ai du bois de séquoia pour vous. Qui veut du bois de séquoia? Ah oui, c'est vrai que t'en as récupéré, non? Tenez. Séquoia, il y a... Séquoia, l'épisode de suivi à voilà, un arbre de séquoia. Hop, hop. Et donc, a essayé de faire une blague, mais qui est pas passée. Ouais. C'est un arbre, ça. C'est un arbre. Facile à mettre en œuvre. Ah la vache. Attends, on va stocker ça ici. J'ai regardé, il n'y a pas moyen de redébloquer les seeds. On pourrait se les give ou autre chose, mais c'est un peu du cheat à ce niveau-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas une option pour les remettre. Donc en gros, les gens qui se demandent, les sites de Sequoia sont désactivés parce que c'est genre cheaté. Bon. C'est quoi, il y a les sites des survivalistes? Comment? Non, rien. Que... Quoi? C'est le début du printemps. Il faut planter les cultures, vite. It's time. Il fait combien? 5 degrés, c'est peut-être un peu frais. Ouais, ça devrait pas... Il faut que je travaille sur les champs. Je vais mettre mon champ ici, ça va être bien là. Mon champ. Mon champ avec mes choux. Edo, du coup, toi, t'as la enclume à faire. ML, il a... Je vais chercher la kaolinite, moi. Ah oui, la kaolinite. Et tu peux aller chercher plus de fer, là, où on en avait déjà trouvé. Ouais. Je déplace juste le bois qu'on a ici. Ou autre part, parce que je crois qu'on avait pas mal séché l'endroit. Non, il y a un nouvel endroit. Enfin, il y avait un autre endroit où on avait trouvé des traces de fer. Tu l'as sur la map? C'est au sud de chez nous. C'était... Cuivre, non... Vache et cochon,
Ok. C'était... Alors, c'est assez loin. Ouais, c'est assez loin. Ouais, c'est assez loin. Je l'ai, c'est hématite, je l'ai ici. Hein. Et au fait, t'aurais... Large hématite. Ouais, c'est assez loin, mais je vais y aller. T'as dit bonjour. Ah oui, faut... Bonjour. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des survivalistes. Nazdrovie. Nazdrovie. Oh. Ah, tiens, Nazdrovie. Ah, merci. Eh, hey, mais saignes. C'est quoi ça? Ah, c'est bleeding. Et je te dis merci, moi, putain. Nazdrovie. Peut-être qu'en buvant un seau de lait, ça te guérirait. Peut-être, mais... Ah, oh, putain, 20 secondes en vrai, hein. 20 secondes? Oh la vache. Ok, désolé. Désolé, je ne suis pas désolé. Salaud. C'est pour toute la décoration que t'as fait. Merci. Attends, je vais voir si la vodka me soigne. Non. Oh. Nazdrovie. Oh, j'ai pas récupéré. Ah, ok, il est là. Nazdrovie. Hop. Ah, c'est bon, je saigne plus. Je te rends ta clé aussi. Hop, comme ça, tu peux peut-être stocker des trucs. Ah, j'ai des bugs. Je jette les items, ils sont toujours dans mon inventaire. C'est bizarre. Ah, c'est pas bête. Je vais prendre ma clé et du coup, je vais mettre plein de drums. De barrels dedans, comme ça, je stocke à fond. Ouais, ça, c'est le bon plan. Hein. Ça, tu peux faire la mule, quoi. Vraiment, on pourrait même déménager. On n'a rien de temps avec un truc pareil. C'est ça. Après, c'est facile à faire cette clé. Ça s'appelle comment déjà? C'est la Spectre Key. Il faut juste un ingot de fer et un ectoplasme. Ah, et l'ectoplasme, si tu veux, c'est un mob. Tu sais, c'est les espèces de slime bleu qui pop quand tu tues un monstre. Ah oui. C'est un Pokémon. Non. C'est juste un lingot. C'est un Yokai Watch. Ah, non, c'est ectoplasma. Non, je confonds. Ah bah voilà. Non, ça a l'air... Ah, il y a les storage drawers, tiens. J'avais pas vu ça. C'est ouais, cool. C'est vrai que les drawers, on peut les faire, ouais. Bah, c'est juste du Spectre Iron. Ah, ok, oui, Spectre Iron. Il faut un ectoplasme, ok. Ouah, ça va, ça va. On en a pas besoin d'une deuxième clé, je pense, pour le moment. Non. Ectoplasme, attaque de psycho. Opérateur. Ectoplasme, attaque. Ectoplasme. Alors. Je ne peux pas placer la terre, mais je peux creuser la terre ici, évidemment. Enfin, j'espère qu'elle produit quand même. Enfin, j'espère, je me demande. Parce que si je creuse la terre, c'est de la terre qui n'était pas directement à la surface, donc peut-être qu'elle n'a pas autant d'effets nourrissants, dirons-nous. J'espère que c'est pas le cas. Sinon, je suis fact. Parce que j'ai pas trop le choix de creuser pour agrandir le truc. Et... Bon, c'est pas grave. On verra bien. Alors, je vais faire deux champs, moi, je pense. Je vais faire un champ pour tout ce qui est grain. Et puis, je vais faire un champ pour tout ce qui est légumes, en fait. Yes. Il n'y a pas moyen de faire plus de trucs à fruits? Non, on a déjà les trucs posé. À fruits, il y a plein d'arbres plantés, il y a plein de buissons. Il faut attendre qu'ils produisent, hein, basiquement. Plein de buissons. Formidable. De buissons. Il y a toujours... Et l'oignon a survécu à l'hiver, hein. Je voudrais pas dire. Hein. Ouais, c'est l'oignon survivor. Faut lui donner un nom. C'est l'oignon survivor, ouais. Je sais pas comment on l'appelait. C'est l'oignon Rambo. Mettez vos propositions dans les commentaires. Rambognon, ça c'est bien ça. Rambognon. Rambognon. Rambognon, le survivor. L'unique. J'imaginais bien Rambo avec une tête d'oignon, bref. Ça peut être sympa. Vindic, si tu m'entends. Mon dieu. Oh non. C'est un drôle de travail là. Rambognon. Et le truc avec les vers, tu l'as eu où d'ailleurs? Je crois que c'est un mob qui me l'a droppé ou je l'ai trouvé dans un coffre. Je sais plus. Ça s'appelle comment ce truc? C'est la Moonworm Queen de la Twilight Princess et il n'y a pas de craft en fait. Donc j'ai dû le dropper ou le récupérer dans un coffre. Refais-le avec l'accent de Bill Silverlight. C'est un Moonworm Queen. Moonworm Queen. Moonworm Queen. I'm American. Mm-hmm. Je l'ai trouvé dans la Twilight Forest. Pas mal, pas mal. Get down, Mr. President. Du coup, il me faut à manger. Je vais cuire ça. Ah, on a un arbre plum et on a un orange tree sapling ici. Mm-hmm. Attends, j'ai complètement oublié. Il faut mettre combien de 24 jusqu'à et 24, 24 hein. Et 24 charcoal, mais il faut mettre 8 charcoal avant pour faire un bloc de genre tu les places au sol. Ouais, je le savais, ça. Tu fais un bloc de charcoal au sol, quoi. Ouais, je le savais. Est-ce que quelqu'un a une torche? J'espère. Ouais, je le savais.
Les travail du champ avance bien. Messieurs, est-ce que là debout aurait une torche? Une torche peut-être. Oui. À poser, peut-être. Comme ça j'en fais d'autres. Peut-être. Voilà. Peut-être pas. Qui sait? J'en fais plein, comme ça je serai tranquille. Voilà. Monsieur Doroc, merci. Monsieur ML, de rien. C'est un plaisir. Messieurs, quel discours incroyable. Oh, dis donc, c'est beau ce que tu fais. T'avais, il y avait la colline en dessous. C'est, maintenant, ça ressemble juste à une arche. Ah, c'est pas toi qui l'as fait. Ah, d'accord. Non, c'est la forme de la colline. Je me suis dit, oh, sympa, sympa. Je me suis dit aussi que t'allais te dire, mais il a juste fait une arche en barrière. Non, non, c'est la forme, c'était la forme de la colline. Ah, très bien. Donc je vais l'enlever. Ça manque un peu d'éclairage parce que par les mobs peuvent passer en dessous, basiquement. Donc, ça me... Il faudrait qu'on fasse du charbon, les amis. Ah, bah il y a plein de bois là-bas. Go mettre le... Ouais, go mettre la boîte de séquoia, ma foi. Séquoia, il y a du charbon. Attends, du charbon, j'en avais pas mis dans les coffres, là. Il en reste 16 ici. Ouais, 16, ouais. Ouais, c'est tout, en fait. Oh, putain, la vache. C'est parti de vitesse. Pour faire le fer, oui, c'est incroyable. Hein. Du coup, je me demande si avec la clé, là, avec la clé que tu as, et le fait que tu peux, du coup, stocker énormément, tu devrais, ML, limite, aller là où il y a les séquoias, couper tous les séquoias, et revenir avec une énorme quantité de bois, basiquement. Je pense que ce serait plus rentable niveau temps que de couper les arbres. Basiquement. Basiquement, ouais. Oui. Je pense qu'il y a moyen. Du coup, en plus, l'avantage, c'est que dans la dimension, il n'y aura pas de mobs qui spawneront. Donc je serai tranquille quand il fera nuit. Il suffit que je me TP et c'est bon. Yep. Parce que là, à partir de maintenant, on va éviter de dormir. Hein. Ouais, il vaut mieux éviter. Tu pourrais éclairer le petit bout de terre où je suis, derrière, Mel, avec tes trucs. Ouais. Avec tes machins. Putain, j'arrive plus à le courir. Je vais peut-être le rabaisser. Ouais, faudrait que je le rabaisse niveau sol. Ça prend du temps. C'est tellement pas yellow, ça. White. Can weld, ça veut dire ça peut fondre, c'est cela? Non, plutôt tu peux le forger. Voilà, monsieur. Thank you. Tendre une étoile. Peut-être aller déposer la dirt que j'ai sur moi. Beaucoup de terraforming, mais ça vaut la peine. Comme ça, on aura un joli chien. Je peux pas faire fonctionnel cette fois-ci. Pas comme la dernière fois. Alors du coup, ta forêt de séquoia, elle est où? Alors, ah, tu veux y aller tout de suite? C'est pas plutôt le faire? Oh, c'est vrai qu'on a besoin de charcoal aussi. La forêt de séquoia est plein est d'ici. Et elle est en gros... Les arbres commencent vers... Attends, je regarde. Les premiers arbres, tu devrais les voir vers, en gros, 2500 moins 9800, on va dire. 2500 moins 9800. C'est à peu près plein est d'ici, en fait, vraiment. Plein est un petit peu sur la gauche, quoi. Je vais le noter. Il y en a plein d'arbres. Donc, à mon avis, tu pourras te faire plaisir, hein, vraiment. Yep. Du coup, salut à tout le chat. Est-ce que vous êtes nombreux? Salut le chat. Le chat. Et non, c'est pas Mel qui l'a dit, c'est Weld. Ouais, Weld. Eh ben Weld alors. Oh, what the fuck? Oh, fuck. Alors, il me faut des haches. Ah ça, oh ok, ça bug. Ok, ça bug vraiment. En gros, j'ai droppé mon épée sans faire exprès. Mais le jeu considère que mon épée est dans ma main vide et que l'épée, genre, c'est ma main vide. Donc quand je tape à ma main vide, je fais plein de dégâts et quand je tape avec l'épée, je fais aucun dégât. C'est génial. Pas mal, pas mal. Ah là, elle est revenue. Ah oui, j'ai un gros bug de bizarre, moi. Genre vraiment, genre je casse quelque chose et... Enfin, je récupère quelque chose dans mon inventaire et il glitch facilement. Des fois, ça arrive. Peut-être qu'une décor encore fixera le problème. Weld, c'est soudé apparemment, ça veut dire. Ouais, soudé. On m'a dit ça aussi. Ah bah voilà. Bon, en gros, c'est forgé dans le cas où tu es ici.
tu fais plus forger qu'autre chose. En fait. Donc D-Weld, ça veut dire dessouder. Ouais. Oh, ah, I-U. C'est bien, Edor. Deux. Je suis bien content. Il est con, t'as le gamin. Ça, je pense que je vais le ranger. Dans le coffre ? Ça rentre pas dans un coffre. Ça devrait peut-être manger de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps, je mange. Il y a pas des drums là-bas ? Je code avec. Des drums ? Non, d'autres avec des drums ! C'est pas des drums que je cherche. J'ai le Suisse là. Le Suisse, j'arrive pas à le stocker nulle part. Il m'énerve. Le Suisse. Eh, qui veut, un chapeau en forme de poulpe? Un chapeau en forme de poulpe? Oui, comme j'avais moi. Non? Je récupère sinon. Hein. Ah, moi j'ai mieux. Ah, j'ai mieux. Mais lui, il est toujours mieux de toute façon. Ah, j'ai mieux. Ah, voilà. Ça intéresse pas du Regarde. Coup. Regarde. Regarde-moi, je suis tellement stylé. Mon cerveau a pris en taille, regarde ça. Bonjour. Qu'est-ce que ça? Ah oui. Ah oui. Voilà. Voilà. Le chapeau en forme de poulpe. Du coup, t'as le poulpe maintenant. Regarde-moi, Edo. Je suis une intelligence supérieure maintenant. Regarde la taille de mon crâne. Tu peux pas tester. Ah oui. Bon, après, Edo, je vais te charger dans la main. Bim. Oh. Oh. Damn. Qu'est-ce qu'il ça y a? Ça fait un peu serré ici, t'as beaucoup d'encle, ma foi. Ouais, mais en fait... On dirait un xylophone, en fait. Tu trouves pas qu'on dirait un xylophone, genre il va taper, ça va être ding 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 ding. Bah, depuis tout à l'heure, il fait ça. C'est vrai qu'il fait beaucoup de ding ding ding, en fait. J'en veux pas de ton Suisse. Mais j'en veux pas non plus. Je m'en vais. On parle pas des Suisses comme ça, les pauvres Suisses. Oh. Oh. Si, le Suisse, ça se met dans l'eau, mais ça fait que dalle, en fait, c'est pas terrible. Il y a comme ça, c'est un peu de bizarre, ça se met dans l'eau, et puis hop, tu le laisses là-dedans, quoi. Soit. Il y a tellement de trucs à faire en fer. Ah, ça. Weapon Compass Needle. Qu'est-ce que je fais en premier? Une pioche? Une pioche? Ouais, je pense qu'une pioche sera le mieux, parce que, basiquement... Faut que j'arrête de dire basiquement. C'est ta faute, je le dis encore plus maintenant, parce que tu me l'as mis dans la tête encore plus. Non. Ah, basiquement, c'est ça. Hein. Basiquement, dans notre cas, dans notre situation, une pioche serait des plus recommandables. Basiquement. Afin de pouvoir miner plus de fer. Afin de pouvoir miner plus basiquement. What? Oh, mon écran a flashé au noir. What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est mon driver Nvidia qui a crashé? Non. Ah. L'enregistrement tourne toujours. What the fuck, c'était bizarre. Ok. Bon, l'enregistrement tourne toujours, donc... Voilà, je vous entends toujours. Donc, bon, bah, très bien. Tu peux remettre. Oh non, je mettrai des lampes moi-même, t'inquiète. Ah. Ah, si tu veux, je peux t'en mettre, hein, je suis pas très parti trop loin. Hein. Non, t'inquiète. Ok. Ok, donc ça va devenir l'enclos des bébêtes. Je vais enlever toute forme d'eau ou autre chose. Ah, mais là, il y a que de l'eau là. Il faudra que je remplace par contre tout ça par. Je sais même pas si je peux remettre de. Bon, je verrai bien. Donc ça, c'est l'enclos des bébêtes. Je partirai maintenant. Et ici, je vais quand même mettre un petit canal pour irriguer cette partie-là. On ne sait pas jusqu'à quelle heure. Ah oui. Ah oui, ça va être compliqué en fait. J'aurais pas dû retirer les sources d'eau. Fuck. T'es pas foulé, bon. Jones, ça, quand même. Il y a moyen. Ah, j'aurais... Ah si, j'ai toujours le prospecteur. Je vais quand même revenir prendre un prospecteur dans le doute. Ouais, prends un prospecteur. Hein. Parce que le mien, j'en ai un, mais il a moitié mort, donc... Moitié ça encore, en réalité. Pas de pire. Bah, c'est bien le fer, on peut le laisser dans la forge vu que ça va pas au-dessus de la température qu'il fait fondre complètement. Ouais, il peut pas fondre dans la forge, ouais. C'est chouette. C'est le seul avantage du fer, réellement. Ça va, le mec il s'y avait déjà et tout. Oh là là. Ouh. Non, on n'a pas pour objectif de terminer le mode pack parce que ce sera beaucoup trop long. Comme mais collection de timbres. Tout à fait. Mais on va essayer d'aller le plus loin possible et puis s'amuser surtout.
Ah bah c'est le plus important, moi je dis. Mm-hmm. Il est parti où le prospecteur? J'ai cliqué dessus, il a virevolté là. Ah, je peux le slayer à bugger, hein. Moi, je bouge un truc dans mon inventaire, il y a plein de blocs qui apparaissent. C'est génial. Faut que je bois. Mais il est parti où le prospecteur? Nazdrovie. Sans déconner. Ah oui, une bonne pioche en fer. Oh, je veux la voir. Bah, on dirait c'est une pioche. En fer. Ouais. c'est une pioche en fer. Bah là, comme tu dis, basiquement... C'est voilà, basiquement quoi. Une pioche, basiquement, en fait. Voilà, on a mis 15 épisodes à faire cette pioche. Encore une fois, je la vois pas, voilà. Ok, 300... Ouais, c'est bugué, 100, hein. 137 d'attaque damage. Bah, garde-la, moi j'ai une pioche en bronze, on s'en enchanté. Smiting bonus... Ah, oh, t'as un smiting bonus de 100, de 16% avec ça, garde-la en main. Genre, quand tu fais du smiting... Des smiting bonus plus... Ah non, alors... Non, c'est parce que t'es doué... Ah non, je pense que c'est plutôt ça. Comme tu es doué pour faire des outils maintenant, ça donne un bonus de 16,2%. Ah oui, ça doit être plutôt ça, en fait. C'est plutôt Emel qui va les miner, en fait. Donc c'est Emel qui devra l'avoir, non? Regardez vos skills. Oui. Comment t'as fait pour monter là-haut? Ah, on peut monter là-dessus? Ouais. Ok. Dans skill, moi, je suis novice partout, hein. Bah ouais, moi aussi. Oh. Tout est revenu à zéro. Hein? Non, j'ai les barres qui ont avancé, mais je suis novice. Ah, moi, j'ai aucune barre, moi. Moi, tout est buggé aussi. Ça a l'air d'être buggé, c'est bizarre. Ouais, j'ai le décor aussi pour voir. Je pense qu'on a une drôle de désynchro, parce qu'il y a encore l'inventaire qui a aussi du mal à synchro des fois. Mm. Ah oui, c'est bon maintenant. On était juste buggé. Ah ouais. Je suis repassé adepte partout en agriculture, okay. Je suis même pratiquement au niveau au-dessus. Nickel. C'est pour ça que j'avais mon inventaire qui buggait, ok. Pour bah ça. Ouais. Tiens, Emel, tu vas les miner, toi. Je vais aller chercher du bois en priorité. Bah au moins si tu vas miner t'as la pioche. 16% meilleur mais il ne donne pas de bonus. Bah en quoi il est meilleur alors? Il me semble qu'il fait plus de dégâts, j'ai l'impression. Il faisait 137 d'attaque damage, tu vois c'est un chiffre très... 137 ça ressemble à un bonus qui était appliqué quoi. Alors ça continue de geler un petit peu de temps en temps, tiens. Étrange. Alors... Bon ça veut dire que c'est pas encore tout à fait le moment de planter, ce qui est pas plus mal. Parce que comme ça me laisse le temps de travailler le champ avant que... ce soit le bon moment pour planter. Du coup, je sais pas, c'est quel bon moment pour planter. Peut-être genre quand le spring est vraiment lancé, je sais pas. Ou je plante, et si ça dépop, c'est pas grave, je replanterai, hein. Ça marche aussi. Moi, je me casse. Ça, on a un coffre à dirt, mais on a tellement de dirt. Oui. Je vais mettre un autre coffre à dirt, je sais pas où. Ouais, il y a plein de coffres vides. Hein. Mais ouais. Soit les dégâts, soit la durabilité. Ah, il y a un autre coffre à dirt. Ah. Ah, donc ça augmente la durabilité ou les dégâts de l'arme, le smithing bonus. Ou c'est un ou c'est un et? C'est pas la même chose. C'est peut-être un do. Un do? Un fa? On sait pas combien d'épisodes on fera pour cette saison. C'est Mario. Mario. Ré. Ouais. It's a me. Oh, mais c'est plutôt Emel qui devrait avoir ça. Emel, je suis parti. Ah, il a fait une hache en iron. Oh. Bon, ça va. Après, tu vas voir, les séquoias, un coup de hache et il est mort, le truc, donc ça va. Parce que j'ai 3 haches en copper. Ouais, achève-les, t'inquiète. Toutes ces larves, c'est des larves de ML. Des larves de ML. C'est une longue histoire. ML, c'est juste du caca radioactif. Voilà. C'est des larves qui font de la lumière, c'est pour ça qu'il y en a partout. Il y en a même partout sur la maison. Sans commentaire. Je ne ferai aucun commentaire. Hop. What up? Y a-t-il une pelle qui traîne ici? Yes. On se les pèle. Oh ah bah, il fait encore un peu frais là. Il fait un petit degré hein, encore. Ils ont beau dire early spring, mon cube, ouais. Ah, ton cube, oui. On se les gèle, hein. Je dis, on se les gèle. Non, c'est pas ça que je devais faire. Bonjour, Radion. Bonjour. Je sais pas jusqu'à quelle heure je live. Ouch. Plein est. Qu'est-ce que je fais d'autre comme outil qui est cool en iron? Une épée. Une épée? Ah, je sais pas. On a pas force. Enfin, on a quoi comme épée chacun là?
Moi j'ai une bonne épée en bronze enchantée. Moi j'ai l'espèce de marteau là. Le Warhammer. Elle est presque morte. Mais je peux faire plein de trucs en fait, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, il y a plus de trucs. Tu peux faire pas un seau, mais tu peux faire un briquet par exemple, il me semble. Tu peux aussi faire normalement un grill, il me semble. Tu peux faire buckle, coil, bolt. Ah oui, il y a des trucs de mode à mon avis là-dedans. Ou je peux faire une casing, weapon compass, tellement de trucs en fait. Bah, je peux faire des flèches maintenant. Bah, pas mal. Comment je plaçais un seau d'eau avec le tank de mécanisme? Je sais même plus, c'est shift. Faut que tu configures une touche pour changer le tank en fluid only. La touche est configurée, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre touche par dessus. Ah oui, il faut que tu fasses shift. Mais elle s'affiche pas en rouge. Faut que tu fasses shift plus la touche. Ah oui, mode bucket on. Faire un bucket Terraform Minecraft en fer. Ça peut être utile ça. Tu peux en faire un en fer? Non, c'est en steel. C'est en steel. Après, là, j'ai déjà. j'ai hacké la matrice, t'inquiète. Je place une source d'eau, Minecraft, basique, qui du coup crée une source d'eau infinie avec celle de Terraform Minecraft, et du coup, j'avance comme ça. Et ça marche. Ça s'appelait comment ton truc? Grill, simplement? Ouais. Oui, c'est avec deux doublingotes. Hein. Ouh la vache, c'est cher. Ça permet de faire cuire 6 viandes à la fois, c'est ça qui est bien. T'en veux un? Non, honnêtement, il y a des trucs plus importants. Je peux, hein, j'ai assez. Non, t'inquiète. Le printemps arrive, on va pouvoir manger des légumes et tout. Et je vais faire des sandwichs, donc c'est pas nécessaire. Bah du coup, je fais quoi? Bon, on peut garder le fer, pour les futurs modes, tu vois, on n'est pas obligé de l'utiliser aussi. Oui. Un prospecteur, ouais, mais ils sont yellow-white, alors vu que ça cuit pendant 7 ans... Oui. Un prospecteur, oui. Ça, c'est toujours bon. Prospecteur. Alors là, je suis en train de récupérer... Enfin, je suis parti chercher du séquoia. Je trouvais des pumpkins, d'ailleurs, je vais les prendre. Et je prospecte un petit peu les alentours pour savoir si on peut trouver du kaolinite. Pour faire de la fire clay. Pour commencer à rentrer sur immersive. Et salut toi, Hohenheim. Oh, hey. 17% de smithing bonus. Ouais, ça augmente, hein. Donc c'est qu'il y a bien un skill pour ça, mais... Ouais. Il me semble que ça augmente plus vite avec les matériaux plus avancés, vu que c'est plus avancé. Basiquement, c'est très basique. 1, 2, 3, 4, on va en mettre une ici, deux lignes. Pas besoin d'en mettre aussi fréquemment, mais... C'est toujours... Ah, j'aurais pas dû faire ça, bon, c'est pas grave. Faut que j'ai commencé. Faut que je reste jusqu'au bout. En fait, je vais mettre tout le champ ici, il y a largement la place. Ouais, ça avait été Life Forge aujourd'hui chez moi. Tout se faire se transformer, ça va vite. Hein. Tétraédrite. Chaque fois, je sais plus ce que c'est ça. Tétraédrite, oui, je sais pas lire en plus. Donc c'est bien. C'est du copper. Faut quand même me le noter, mais. Ouais, point. Merci, la sainte pizza, pour les 100 bits. What? La sainte pizza, mais c'est la sainte frite. Ah, une bonne pizza. Il n'y a qu'un seul dieu, c'est la sainte frite. Team sainte pizza. Quoi? Je vais te péter les rotules. On peut pas comprendre ce qui t'arrive. La zone où il y a les séquoias, c'est une zone enneigée? Oui, fort probable. Il y en avait un peu sur le bord aussi, la zone enneigée, mais... Ok, parce que là... Tu verras. Oui. Attends, le point il est là-bas, ok. Parce que là je suis rentré dans une zone où tout est enneigé. Ouais, c'est normal. C'est sympa en tout cas, c'est joli. Après c'est le mode foliage qui ajoute le fait qu'il y ait des feuilles qui tombent et tout. Oh, moi j'ai désactivé ça. Oh bon, ça va. Ah, je les vois. Ça y est. Oh les arbres, oh là là.
Ça va y aller. Tu les vois? Je les vois, les séquoias. Avec ma hache enchantée. Fais voir. Salut Adeline. Oh nice. Oh nice. Emel, il en peut plus. Ok, j'ai l'inventaire qui bug. Ah oui, ok, j'avais l'inventaire qui buguait, j'avais rien. Mais au final, non, je suis full. Ouais, bon, les corps quand ça bug. Ouais, je vais me... C'est peut... Le fait que ça bug, tu sais ce que c'est? C'est la clé. C'est la clé? Ouais, c'est probable, ça. Ouais. Parce que j'ai utilisé la clé tout à l'heure et ça avait bugué de la même façon. Donc, faut juste se décorquer une fois qu'on a utilisé la clé pour avoir le bug. Ou juste vivre avec. Ou juste vivre avec, tout simplement. Alors. Mais non, je voulais pas faire ça. Voilà. Hey. Hey. Alors, tac, 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 clac, ok. Tac, 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 tic tac, tu craques. Calmez-vous. C'est quoi ces pubs là? On te choque dessus. Non. Oh non. Mahou, je vais devoir la sortir. Je vais me faire une hache en fer aussi, et puis je vais... Bon, tu peux avoir la mienne, hein. Ouais, bah je vais faire ça à la limite. Je vais te la prendre. J'en ai pas besoin, moi. Ouch. Ah, il fait nuit. Oui. Tiens, Edo, si tu t'ennuies aussi, tu peux commencer à décorer un peu la forge. Tiens. Bah, il faudrait que je lance du charbon et que je transforme tout le fer. Pour l'instant, je m'ennuie pas, mais oui, je pourrais. Faudrait masse mortar et tout. Ou morteau. Morteau. Oh, j'ai faim. Alors la clé, comme t'as pu le voir, elle me sert à me téléporter d'une dimension à une autre. Très très pratique. T'as assez d'espace disque sur le poiré, quoi. Oh ouais. Bla 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 bla. Ricardo toujours. C'est bon. Oh, chute, v'là François. Ah, oh, il pleut, fuck. Chut, il va encore tousser. Il va encore tousser, il est malade. C'est un malade, ce mec. Je vous le dis. C'est un malade. Il me fait un doigt d'honneur. Oh, dis donc, ouais. Il est pas très gentil non plus, hein. C'est incroyable, dans la nuit, je vois que dalle. Dans la nuit. Bon. Ouais, les c'est futures quoi, cultures, ça, ce sera un champ... ce sera... truc d'élevage. Faut que je vois la situation niveau éclairage. Comment je peux éclairer là? En réalité, je pourrais remettre des jack-o'-lanternes dedans. J'ai mis des sources d'eau infinies. T'inquiète, François. François se demande pourquoi il y a des asticots au sol. T'inquiète. C'est François, normal. C'est normal. Tout va bien. C'est mes asticots. C'est les asticots d'Emel. Ouais. Il a un appareil... Enfin, il a un truc pour balancer des asticots qui font de la lumière. Donc... plutôt pratique sur Terra Firma Craft. La clé, c'est le même craft que le vanilla et il faut d'abord chasser le spirit et avoir un lingot de fer. Donc en soi, les jack-o'-lanternes. Explorer quoi. Jack-o'-lanternes, t'en avais laissé dans des dans un barrel dans la maison à l'étage. Ouais, il me semble bien. J'avais mis exprès à part. Ouais, c'est ici. Hop. Comme ça, je peux le retrouver plus facile. Ok, je vais éclairer notre magnifique nouveau champ. Bon, il est pas si magnifique, mais bon, il est fonctionnel, c'est ce qui compte. Bon, je vais aller chercher du bouet. Je suis déjà parti en chercher du bois. Ouais, il va en ramener masse. Il en faut beaucoup quand même, de toute façon. Oh, bah, ouais, mais pas, là, il en ramène beaucoup, t'inquiète. Là, le séquoia... Ça va séquoia-yé-yé-yé. Ah, ou alors je vais mourir par un troll. Au choix. Avant.
Lol. Non, pas le troll. Il drop non, rien, pas le troll, plus, pas le troll. Ah, mais il me défonce. Troll des montagnes. Ah oui, le troll des montagnes, il fait mal. T'es où, Edo? Ah, il est par là. Edo! Survive! C'est bon. Vache, plus. Tu l'as eu. Faut pas que je me TP près des murs. Hein. What? Pourquoi il m'a re-TP là-dedans? Pour de quoi ce jeu? C'est bon? Ouais, c'est bon. Il drop du blé. Alors, séquoia. Séquoia. Les grands arbres, les grands arbres. Là-bas, il y en a un, il est loin. Trop dangereux là dehors. Je vais faire comme Auré m'a dit, hein, on va commencer la déco tant qu'il fait nuit. C'est... Alors comment c'est je fais prudent. Ça? Est-ce que je ferais pas genre la forme d'une forge Moi je ferais bien un petit. Tu pourrais faire un petit toit, mais c'est une forge ouverte quoi, il n'y a pas des murs ou autre chose. C'est juste un petit toit pour te protéger de la pluie ou autre chose quoi. Non? Ouais, mais un toit pas en bois quoi. RP. Dans les forges, il y avait souvent. Ah, comment ils faisaient? Ouais, il faudrait regarder une forge médiévale, comment, à quoi ça ressemblait, je dirais. Tu vois? Tu vois? Tu vois ou tu vois pas? Regarde justement. Nice. Eh, les zombies, on se calme là. Fuck ouais. Les verres de ML, j'en ai plus besoin. Forge médiévale, c'est marrant, il y a quasiment que des images Minecraft. Ouais, mais il faut une image réaliste parce que les gens sur Minecraft l'ont forcément fait en bois. Ah là, ça a l'air pas mal comme ça. Prends quelque chose qui te plaît, je te fais confiance. Je sais que tu te débrouilles. Je sais que tu es un pro. C'est mignon ça. Qu'est-ce que. Pourquoi il y a une araignée dans la flotte ici? Ah, c'est un boss. Ok. Rare Undying Edge Spider of Brassness level 1 up, bazar machin, chouette chose. Ah, tes souhaits. Il vient de. Ok. Oh fuck, j'ai pas. Ah si, j'ai pu sortir mon. Mega marteau de la mort! Ouh la vache. Elle glitch dans le sol et j'ai du mal à la voir. Alors je vais attendre de récupérer un peu ma santé, moi. Avant de revenir dans le monde extérieur. C'est défoncé, moi! Et surtout, la santé! Je l'ai eu! J'ai eu le boss! Il m'a donné juste un casque. Wow. Double cheminée. Au revoir, le casque. C'est pas le fond vert, c'est le micro qui dépassait. Oh. Ouais, ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Oui, mais. C'était pas du tout le micro. C'était mon. C'était micro. Autre chose. Ah bah, je suis super souple, alors si j'arrive à faire dépasser mon bout par au-dessus de ma tête. Hein. Ah bah, il est long, hein. Il est long, ton micro. Il est long, ouais. Mahou. Ça a l'air pas mal ça. Comme petit oh, il neige. What? Il neige? The fuck? Ah, il neige. Ça craint pour les plantations, ça, non? Moi, j'ai pas encore planté, je suis juste. Ah, bah maintenant il neige plus. Ah, très bien. C'est les giboulées de Mars. Il pleut ici. C'est les giboulées de Mars. Il pleut. Il neige. Il pleut. Il neige, il pleut. Il neige, il pleut. Dites-moi, est-ce qu'il fait jour dehors? Il pleut. Il neige, il pleut. Bon, j'arrête. Un peu fatigant. Non. Non. Vous l'envoyez sur Discord, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. J'en pense que c'est quelque chose de plutôt pensif, tu vois. Qu'en penses-tu de ce que je pense? Voilà, j'ai mis une image. Ah, oh, joli. J'aime c'est beaucoup. Mignon. Ça me fait penser à la forge qu'il y a dans Berserk. Hop. J'aime bien. Ah, c'est mignon, moi j'aime bien. Ah, c'est nice, c'est nice. Ouais, c'est un peu ce que j'ai imaginé avec le toit comme ça, fort ouvert. Par contre, la neige, bon, hein? Oui, c'est chiant quoi. On voit un amusement. Mais le pire, c'est que tu vas là, là il pleut.
Ah non, là, maintenant, il neige aussi. Ah, ok, bon, ben... Tain, on n'a pas eu de neige jusqu'à maintenant, et maintenant, on a de la neige, quoi. Ouais. Et l'oignon continue de pousser sous la neige. Il y a du maïs, oh, ici. Qui a planté du maïs. Mais, c'est rambognon, en même temps. Hein. C'est rambognon. Ah, la neige. Est-ce que je peux... Ouais, va falloir que j'enlève la terre truquée, là. Oh. T'as jeté ton épée, là, non? Non, j'ai une épée bronze, celle-là, c'est... Voilà. Il n'y a plus de place sur les rakanuti. Ah bah, faut en refaire. De toute façon, on se servira plus jamais de cette épée. Méchant, il se trouve sous la neige. Bon, c'est pas comme si j'allais farmer maintenant. Ouais, on s'en servira jamais de cette épée en bronze. Si, une épée de secours, ça peut toujours servir. Hein. Wow, ouais, mourir, ouais. Deux zombies, là. Putain, mais la vache, il neige, quoi. Il neige. Tiens, vous croyez que c'était la fin de l'hiver? Non, non, non. Auré. L'hiver est toujours là. Où ça, les zombies? J'ai des admirateurs. Ah, ils sont là. J'ai des admirateurs. Fuck tes admirateurs. Ah, ou. Ah. Regarde toutes ces... Tous ces boules de tout ce sang. Tout ce sang. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, j'ai mis mon chapeau squid pour la peine. Tiens, t'en auras sûrement plus besoin que moi. D'un cerveau. C'est ça, j'en suis sûr. J'ai pas encore regardé, mais je suis sûr que c'est un cerveau. Cet homme. Ah non, c'est vrai que leur chapeau, c'est un vrai chapeau. J'oublie à chaque fois. Mais c'est le réchauffement climatique, là. C'est n'importe quoi. Puis là, maintenant, il neige. On est c'est la fin du monde. La fin du monde. La fin du monde. On va tous mûrir. C'est boum. Oh. Ouais, alors. Il neige dans ma bloomerie, quoi. Je me ferais bien des sandwichs, moi. Des ça vous dit des sandwichs? Des sandwichs. Des sandwichs. Des sandwichs. Moi, je veux bien, parce que je vais quand même ramener quand même pas mal de bois. Du sandwich. Du sandwich. Du sandwich. Bang bang. Ding ding. Du coup, va falloir que j'élargisse ici parce que je vais pas la faire dans l'eau la forge. Tu peux élargir, vas-y. Ah bah, vas-y. Vas-y. Ah, fais-toi plaisir, tu peux élargir autant que tu veux. C'est tellement dégueulasse. C'est comme ça. Dégueulasse. Oh, on a beaucoup de terre. La terre. ML, je sais pas où tu es. T'es toujours là où il y avait tous les séquoias ou tu t'es un peu loin? Ouais, je suis toujours là où il y a tous les séquoias. Je suis en train de ramener, enfin, je suis en train de récupérer, mais vraiment, vraiment masse bois. Bah, c'est quoi, il y a ML qui revient. Ah. Ok. Ah, mais la terre est soumise à la gravité. Ah bah oui, ça marche c'est comme chiant. Ça. Je sais pas si tu joues avec nous depuis longtemps, mais ça marche comme ça, oui. Ouais, bah c'est bon. Hein. Oh, Edo, il a cru qu'on jouait à Minecraft, lol. Techniquement. Techniquement parlant, basiquement, oui. Ah, basiquement, on joue à Minecraft. Okay, oh, mais ça va être long, en fait. Préparons le sandwich, le sandwich, le sandwich. Unseal. Mais t'as combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voulez manger quoi? Vous voulez du sandwich de mouton ou plutôt du gibier? Du gibier, je ne mange pas de mouton. 28. Ok, du mouton alors. 40. Le mouton oui, est plus pourri, il faut le manger en premier. Je voudrais du mouton avec du chou. Faut manger en priorité le pourri. Est-ce que 42 log pile plein de bois ça suffit? Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, on va rentrer à la maison alors. Par contre, Auré, fais pas 20 000 sandwichs parce qu'une fois qu'on aura du fromage, on en refera. Ouah, t'inquiète. Non, mais c'est pour monter aussi mon skill en truc, bonjour. En cuisine. Hein. C'est pas juste pour. Wow! On peut avoir plus de flux. On est des gras gratos là. Ok, retour à la base. On tape un petit peu de prospecteur. Et du coup, j'étais parti chercher du bois et là je rentre. Hein. Parce que j'en ai masse. Masse. Ah, j'ai dû péter 5 ou 6 séquoias, hein, donc... Ah bon, on peut faire 2 tournées de charbon. Ou 6 fois. Oui, j'ai pété 5 ou 6 fois, ça sentait l'œuf pourri. J'ai dû manger quelque chose qui ne passait pas. Prout, caca, pipi.
c'est autre chose. Mes choux! Évidemment, du chou. Du chou pour notre sandwich, évidemment. Un grand classique, j'ai envie de dire. Mes choux, nos choux. Est-ce que je remplirais pas direct avec de la pierre? Alors, les gens qui n'ont pas reçu la notif, je vous invite à venir sur mon Discord. Parce que sur mon Discord, vous pouvez recevoir les notifs. Wow. Parce qu'après... T'as mis un botelu sur Discord, lui. Oui, j'ai mis un bot... Un botelu. Qui marche bien. Oh, il y a encore des pumpkins ici. Oh, il y en a plein. Mes choux, un petit peu de patates. Oh ouais. Mes choux. On n'a pas de fruits, donc faudra faire à 100. En fait, je pourrais mettre deux types de viande. Allez, on va mettre du gibier et du mouton. Et puis le premier fruit, c'est pas pour les sandwichs. Hein. Non, 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 t'inquiète. C'est pour le vinaigre. Qu'on puisse faire une petite vinaigrette et puis des petites salades de vinaigrette. De On peut faire de la vinaigrette ? Non, ah, ça, je crois que c'est une idée. Ok, hop, c'était pas pourri. Ah, c'est ça qui est pourri. Hop. On peut faire une sauce beurre blanc avec le vinaigre. Il part beaucoup trop loin. Oui, bien évidemment. J'ai envie de dire. Voilà. Que basiquement. Tu peux ajouter ça à ton monologue. Basiquement, oui. Basiquement. Basiquement, techniquement. Oui, bien évidemment. Ok, alors j'ai de la patate, de la viande, du chou, mes choux, du mouton. Combien il y a d'ingrédients déjà dans le sandwich, j'ai oublié. J'allais revoir ma table de préparation qui est encore ici. Faudrait que je la déplace. Enfin, faudrait que j'en refasse une autre. Le pain et puis 4 ingrédients. Ok, parfait. Faut que je fasse le pain. Comment je fais déjà le pain? Avec de la farine, non? Smoke weed, je veux dire. Une petite vidéo. Faut le voir. Le dos. C'est juste du grain avec de l'eau? Ah non, ok, on peut le mettre dans le barrel. Oh. Voilà. Oh, okay. Il semblait que c'était juste dedans. Oh. Non, c'est pas ça. Il faut un tétradérite. Tétradérite. Je l'ai noté ici le tétradérite, non? Non, je l'ai pas noté, je vais le noter. Tétra. Michou. J'ai trouvé un arbre géant. Michou. Ah non, oui, je dois le truquer ce truc. Oui, je dois le truquer. Tu dois le truquer. Je dois l'écraser, c'est vrai, je dois l'écraser dans le truc. Je me comprends. Ok, c'est plus important. C'est toi qui... Ouais. T'inquiète, tout va bien. C'est juste moi qui écrase mon pastel. Je fais de la farine. De la farine. Maintenant, j'ai juste à faire chauffer. On peut faire un alcool avec la farine. T'as pas un briquet? Bon, je peux faire un briquet. C'est bon, s'allumer. Non, arrête-toi. Oh, arrête-toi. Ça, ouais. Voilà. Alors, il faut que je fasse cuire ma petite viande. Ensuite, je fais cuire mon pain. Et puis, je fais cuire mon mouton. Et là, je te fais un plat excellent. Ouais, ça coupe pas d'un coup, ce bois. Dommage. Qu'est-ce que je peux en faire avec ce bois? Bon, il y a un ours qui traîne. Ok, il va venir m'attaquer. Quelle cuisson pour la viande? Saignant. Saignant. Taillot. Alors le client chiant. Saignant plus plus. Saignant plus moi, plus. Alors je veux du saignant mais légèrement cuit, mais pas vraiment cuit. Ouais, on avait des clients qui arrêtaient pas avec ça. Je prenais pas leur délire. Saignant plus à point moins. Bah si c'est à point moins, c'est saignant quoi. Alors, ferme ta gueule. Merci MC Lec. Alors j'aimerais du saignant bien cuit. Bah vous voulez juste du bien cuit en fait. Je veux du saignant sans sang. Du médium. Du saignant, mais je veux pas de sang. Hein. Medium well. Oh fuck, je l'ai pas mis saignant. Bon, le mouton sera saignant. Non, il faut bien le cuire, le mouton, tu sais jamais. Tu sais jamais, non, il y a peut-être des bactéries, je vais bien les cuire. Le mouton, non, mais il y a rosé, des moutons et du gibier. Il y a deux petites de viande. Et puis il y a du chou et des patates. C'est bon, hein. Ça va être excellent, t'inquiète. T'inquiète, je suis un expert. Je suis un expert, plus ou moins. J'espère. On verra bien. Ok, j'ai trouvé de l'oku et de vanilla. Donc si on a des recettes à faire avec de l'oku et de vanilla, on en a.
En fait, c'est facile le terraforming sur Terra Firma Craft. Bouge pas de ton bloc en fait et tout tombe comme il faut. Ah ouais, c'est vrai ça. Monsieur Edo ? Oui. Est-ce que nous avons d'autres prospecteurs ? Tout à fait, on a un prospecteur en fer ah à oui. la forge. Ah oui, ça on peut dire il y a de quoi. Tais-toi donc. Ferme donc la paix. Very hot. Ici. So hot right now. Oup. J'ai tous les ingrédients afin de préparer le sandwich. Êtes-vous prêt à avoir une alimentation équilibrée? Enfin, plus ou moins. C'est mieux que rien. Mon coca. Okay. Elle est où mon coca? Et mon coco. Mon coco colo. On va faire une place de préparation ici. Ok, alors j'attends qu'il refroidit. Du bon, allez. La viande, le chou, la patate, le mouton, tout est bon. Vous êtes prêts? Create. Premier sandwich créé. Alors là, alors. Petit test de goût, attendez. Oh miam, excellent. Ah, il est excellent. J'ai mangé d'une traite. Il n'en reste rien. Ça, ce point-là, c'est excellent. Okay, je vais prendre toutes les 300 000 vaisselles et je vais commencer à les remplir. 200 000. Il y a ce qui arrive. C'est les vaisselles à sandwich. Tu n'oublieras pas de faire la vaisselle. Oh là 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 là. Tu fais la vaisselle chez toi, ouais. Cet homme. Non, on a la vaisselle. Mais je le mets dans la vaisselle, des trucs. Oh, j'ai tellement une image dorée qui fait la vaisselle. On a une famille nombreuse, t'imagines ce qu'on ferait sans lave-vaisselle? Ouais, mais bon, les casseroles et tout. Ah! C'est la personne qui cuisine en général qui nettoie. Donc c'est pas toi. Donc c'est pas moi. Mais si je me fais un truc à manger, je la nettoie. Qu'est-ce que tu te fais à manger? Des frites! Des frites. Je suis sûr voilà. Des pâtes en vrai. Je suis sûr Auré, il se fait que des pâtes à manger. Tiff à manger. Mais non. Je fais des œufs aussi. Des bonnes protéines parce que tu es très musculeux. De la purée aussi. Ah évidemment. Ah la purée oui c'est un grand classique j'ai envie de dire. Avec des patates. Ah bah oui attends. Ok. Donc quand vous rentrez dans le truc de stockage de nourriture à droite, vous avez plein de vaisselles derrière les barrels. C'est les vaisselles à sandwich à manger en priorité parce que c'est ce qui pourrit le plus vite. Et c'est normal, à chaque fois qu'on fait un live survivaliste, il y a un épisode qui sort pendant le live, en général. C'est normal. Ouais, c'est normal, tout va bien. Paniquez pas. C'est normal, c'est programmé, c'est fait exprès. Tout est programmé, tout est prévu. Nous sommes des professionnels. Enfin. Cooking adept toujours, mais j'avance vers le prochain niveau. Excellent. Excellent. C'est pas prévu qu'on aille chercher la fire claire. Hein. Je suis d'abord parti chercher du bois. C'est parce prévu qu'on la trouve, après qu'on la cherche, c'est long quoi. Kaolinite, on a déjà fait pas mal de tours hein, en la cherchant. Bah de toute façon, là je ramène le bois. Mais ensuite... c'est comme un minerai, ça? De quoi? La kaolinite. C'est un minerai que tu peux trouver et du coup, si tu peux, quand tu la mines, ça fait de la poudre. Ah, donc c'est bien, ça se trouve comme un minerai, c'est pas une pierre. Ouais, ouais. Oh, tout ce bois. Je sais pas souvenir qu'on ait galéré à la trouver, la Terra Firma Craft est dur ou pas? Je sais pas, j'ai jamais joué. Oh! Terra Firma Punk est plus dur que Terra Firma Craft, honnêtement. Mais parce qu'il y a des mobs. À part sur le fait que Terra Firma Punk, des fois tu peux looter des trucs intéressants et que du coup ça te permet d'aller un peu plus vite. Ouais, mais en termes de monstres. Voilà. Bon. C'est un peu plus hardcore. Voilà, t'as quand même des nagas, t'as quand même des hydres. What's up, naga? T'as des buffs. T'as Edo avec un bateau aussi. Ça c'est dangereux, hein. Ça ouais. Je ferai attention. Honnêtement. C'est le mob le plus dangereux. Il te one shot le bordel. Ça c'est. Toute ta vie, boum, t'as plus rien. La kaolinite c'est un minerai rose très visible avec une forme particulière. Ouais. On en voit souvent dans les failles.
Oui, mais il faut être dans le bon type de roche. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, nous, on n'a aucune des roches où on peut trouver la kaolinite, quoi qu'il arrive. Donc, il faut qu'on trouve la bonne roche où ça apparaît en temps normal. Ah, il y a déjà un truc qui est chigosette. Messieurs, où est-ce que je range le dans bois mon cube. Le bois. Bah, tu peux finir le truc de charbon. Oh, bah, je peux t'en faire 5 des trucs de charbon. Bah, en faire un deuxième, du coup. Très bien. Mon bateau, il est où? Il est là, mon bateau. T'as vu, c'est sympa le terraforming, ML. C'est trop bien. Génial. T'as tout qui tombe, c'est chouette. J'aime bien. Incroyable. Voilà, j'ai fait tous les sandwichs que je pouvais faire. Et maintenant je suis pratiquement au niveau supérieur de cooking. Mais t'es... Qui veut du sandwich? Moi, je veux goûter les sandwichs. Ah, je veux bien, je dis pas non. Tiens. Tiens. Tiens, Edo, du sandwich. 4 sandwichs pour Edo. 4 sandwichs pour Emel. Merci. Merci beaucoup. Allez, un cinquième pour Emel, il est gentil. Ah. Allez, un cinquième pour Edo, il est gentil. Il y a un peu de tout là-dedans. Ouais. Ah, c'est du bon. Hein. Mais j'avais 17 en plus. Comment? Ah, oh, tu peux le voir? Non, comment non, tu as su? Je sais rien. Non, ça se voit pas. Ah, j'allais dire, il y a Emel qui est parti en fumée. C'est normal. Ça. Tout va bien. Mais oui, mais oui. Ouais. Hop, tac, tac, tac. Faudra mettre un bord en pierre comme si on faisait un petit quai ou autre chose, tu veux. Ce serait classe. D'avoir un quai. Un quai. Bon, on va peut-être élargir encore plus avant de faire un quai. Là, t'as la place. Bah, hein. Non, parce que le bâtiment il est là. Là où je suis. Ah, tu veux le mettre là? Et là, pourquoi là, tu le mets pas par-dessus les cheminées actuelles? Non, parce que là, c'est le toit du truc, tu sais. Ah, ok. Ah oui, tu fais un bâtiment à côté, mais pourquoi t'as. Ouais, c'est vrai. Le toit et le bâtiment à côté. Yes, yes. Dans la logique. Après, le bâtiment n'a pas besoin d'être incroyablement grand. Je suppose que juste pour stocker les outils et tout ça. Ah, c'est ça. Et après, rajouter des cheminées au fur et à mesure de la partie, le crucible. Il fait 2 degrés. Et nous sommes en early spring, toujours, oui. Ouais, je vais quand même encore attendre un peu avant de planter, parce qu'il y a encore un peu de neige. Je sais pas exactement quand planter. Après, jamais trop tôt, parce que si ça pop, je peux toujours remettre là où c'était. Ouais, jamais trop tôt. Puis j'ai fait mes sandwichs, donc je suis prêt à planter. Ah là, j'ai la force. Les sandwichs me donnent la force de planter. You got the strange. I got the strong. I'm strong. I'm very strong. You are strong. I'm strong. Alors, comment je vais répartir ces cultures? Regarde. Alors, bien évidemment, je vois... Oui, bon allez, hop, je verrai bien. Vous avez pris toute la dirt? J'en ai pris pas mal, ouais, mais il en reste. Ok. Ah, oh, il en reste, hein, franchement. Pour que j'allume le bordel. Ta-da-da. Je pense que ton hydre suffira. Il va falloir des piliers en... Peut-être faire des piliers plus fins que la normale. Pilar. Ouais. Des barrières. Sinon, je peux utiliser des piliers de mine. Ça marche bien aussi. Ah, les piliers de mine, c'est nice. Il n'y a pas de craft pour ça. Vraiment ? Forge micro-bloc. Palipimpon, palipimpon. Tout à fait. Limestone brick. Vous avez vu l'espace de culture, mon ? Merci Fredrock. Ah, c'est stylé comme ça. Ouais, il me faut juste des cailloux. C'est allumé là, Emmett ? Oui, je vais t'en faire un deuxième, parce que j'ai de quoi en faire un deuxième. Il disparaît. Je disparais.
Ouais, je trouve que Mel il disparaît trop, tu vois. Oui, laissez-moi s'il vous plaît, c'est juste parce que j'ai besoin d'aller voir du monde extérieur. Extérieur. Il a besoin de s'extérioriser. En marble, sympa en marble, on peut les empiler, non? Mais ouais. Commençons à planter. C'est la grande plantation. Auré, il a des problèmes dans sa plantation. Pourquoi ça pousse bien pas. Oh. Mais non, ça pousse pas. Alors, il nous faut de la jute, choux. Fils de jute, de la potato. Ah bah oui. Je vais pas tout planter parce qu'honnêtement, il n'y a pas besoin de tout planter. La wheat, très intéressant évidemment. Garlic, maize, très intéressant. Le barley, le oat, j'en ai pas beaucoup mais je vais le planter quand même. Le rice, la sugar cane. Les tomates aussi, le rye aussi, faudrait que je plante. Carottes, c'est toujours bien. Right. Mes choux aussi. Mes choux. Ah, mes choux. Commençons avec la wheat. Smoke wheat et... ce que j'allais dire. Les mecs, vous êtes trop prévisibles. Ah, on doit faire des lignes avec les autres plantes aussi. Un peu mélangé, c'est pas grave à mon avis. C'est bien ça. La maize. Ouais, je peux prendre la pierre qui s'appelle châle. Bon, je pense. You châle. C'est de la pierre noire. Oui, vas-y. Elle est sympa. T'es obligé de prendre un accent pour dire la pierre noire. La pierre noire. Honteux. C'est la pierre noire. La pierre noire. Ah là là, non, là, j'approuve pas. Hein. Ah, moi non plus. C'est Edo, c'est à cause de lui. Et non, non, ça, avec pas. Quel muret nous pouvons faire une maison assez sombre? C'est la pierre noire? Oui. Oh oui, mon dieu, oui, non oui, oui. Stop. Stop. Oui, 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 oui. Correct. It's too cold. Ah. Bon, il y a deux... Il me dit que c'est trop cold. Okay, il y a deux piles de charbon qui sont en train de se faire. Hein. Ma patate, ma patate. Merci, mon bon ML. Je vais ramener tout le bois qui me reste là-bas, à côté de la maison. Vous êtes bon. C'est plus RP. On peut casser en dessous ou est-ce que ça se casse? C'est la pierre noire. C'est fait exprès qu'on entende mes clics. J'aime bien entendre mes clics, donc je laisse mes clics parce que j'aime bien écouter mes clics quand je clique. Si vous êtes pas content, bah voilà. Bah vous êtes pas content. Basiquement, c'est ce qui arrive. Alors attends, faut que je ressorte l'image. Sugarcane, fuck yeah. Ah, on peut pas la planter tout de suite. Oh. Okay, ça c'est bon. Tomato, yes. Ensuite, mes choux. Ah, mes choux. Ah, mes choux, je vais les planter. Ça va être génial. Mes chouchons. Nex, qu'est-ce que c'est que Nex? Next, ça veut dire après. Ah, merci. Next. Bitch. Tomato. M'en reste deux. Ça fait con. Non, on peut pas savoir. Faire un peu plus loin. Nice. Plus qu'à prendre ces bois là et ce sera bon. Oh, t'es cliqué, t'es claqué. Ça manque d'un petit venin là. Carotte, oignon, green bean, yellow, machin, chouette chose, squash. Squash, ah non, squash c'est un légume. Garlic. Ou c'est un sport aussi. On va mettre des carottes, c'est bien les carottes, ça se conserve en plus. Le squash, c'est un sport? Ouais. Ouais. Oignons et aussi carottes. Je savais pas. Les oignons, c'est bien pour les... Il y a maintenant, vous le savez. Tout à fait, qu'est-ce que c'est comme sport? C'est un truc avec une raquette. Et voilà. Et c'est tout. Tu envoies une balle, tu rebondis sur des murs. C'est un truc avec une raclette, tu vois. Tu te fais cuire un petit truc à la raclette. J'ai faim.
Je peux enfin planter lui. Soit j'ai de la place pour tout. Enfin, je pourrais planter plus de trucs, mais j'ai pas envie de tout planter parce que. Enfin, les bell peppers et tout ça, c'est un peu embêtant. Ouais. J'en ai plein de seed, mais bon. Les beans. Passer haut. Mister Bean. Comment tu les green beans, ça donne bien en fait. Ça doit se conserver en fait, ça. Aurais, tu saurais toi quel bloc je pourrais utiliser pour grimper en hauteur sans le détruire en 7 ans? Comment? Un bloc. Un bloc que je l'utilise pour me surélever vu que la terre ça ne marche pas. Bah des planches. Ouais, mais les planches ça met 6 ans à casser. Non ouais, ouais, ça ouais, met bah, 6 ans à casser. Est-ce que tu peux monter bien sur les piliers que tu mets dans les grottes? Non. Ah. Si. Comme une barrière. Moi j'ai déjà fait. Ouais, comme une barrière, ouais. Parce que ça se casse rapidement, ça. Piquer un peu de sequoia. Oh zut. Vas-y. Ouais, bah voilà. Ouais, bah voilà. Ah bah voilà. Très bien. Mes choux et tout ça sont plantés. Tout est planté. Y'a plus qu'à attendre. Je regarde. Silence, ça pousse. Silence, ça pousse. Ah pardon. Le mec. Silence, ça pousse. Pardon. Là, tu l'as fait. Ça c'est bon. Là, c'est fini. Hein. Où est-ce qu'il est? Là, il est là. Viens là. Prends mon hammer. It's hammer time, bitch. Non. Donc il y a okay. Beaucoup. Oh. Tiens, ML. Vu que tu es un peu le bûcheron, tenez. Ah oui, la hache. Ah. Ouh. Ah non, H. H. Merci. Sandwich. Oh la vache, comment ça donne full bouffe le sandwich. Ah ça, c'est sûr. Bon du coup, avec tout le bois que j'ai récupéré, je vais me faire des suspensions de bois. Et je vais aller chercher des suspensions. Le... Oui. En seulement. Oui, aurait. Ah, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug pas très agréable. Pourquoi t'as fait ça? J'avais mon sandwich à côté. Et j'ai repris de l'eau dans de l'eau fraîche. Et mon sandwich, pouf, il a disparu. Ah. Mais vraiment. C'est bizarre ça. Ouais. Après, peut-être que tu l'avais fini de manger. Je sais pas. Mais que ça se voyait pas. Ouais, non, mais tu bugs. N'oublie pas, t'as été dans la dimension, donc tu bugs. Soit. Faut que je fasse confiance. Enfin, faut que je fasse confiance. Et il y a une vache qui avait pas confiance. C'était... Pas toi, elle. C'est un taureau, ça, non? Ah oui, c'est un taureau. Bon, je m'en bats les steaks, en fait. Parce que le taureau, on peut pas avoir du lait avec. Enfin, pas le lait dont j'ai besoin, en tout cas. Calme-toi. Non, le sandwich, il est parti. Il existe. Ok, bon. C'est fini. Je vais aller chercher des bébêtes. Parce que je vais pouvoir faire un nouvel enclos à bébêtes. Ça va être l'enclos numéro 2. Bon, je vais... Il y a l'oignon survivor que je vais devoir enlever parce qu'il est dans mon chemin. Bon, bah il aura survécu jusqu'à maintenant, mais c'est fini. Désolé. Oignon survivor. Il aura survécu dans mon cœur. Oh, jusqu'à maintenant. Là, ça me paraît bien. Oh, ça fait mal ces trucs-là. Oh, nice. Ah fuck, je t'ai donné ma hache, mais en fait j'en ai plus. Et regarde où je suis, ML. Ah GG. Ah. Il me semblait bien, je me dis mais il va construire, il aurait pas besoin de ça. Je peux m'en envoyer une en copper ou en bronze qui traîne sur la forge. Oui, attends, il faut que je monte. Tu sais quoi, bouge pas, je vais chercher des échelles. Ah oui. Hoche. Faisons les choses normalement. Mais je me retrouve des échelles. Je me retrouve comme un con. J'ai des échelles. Très bien. Tiens, apporte-lui. Merci. Bah tiens, sinon tu peux monter Tiens, Edo. Ça marche pas de trop. Tu peux monter avec ça. Ah, ça marche pas de trop. Très bien, monsieur. On va monter à partir d'ici. Bonjour. Comment ça? Tiens. Oui. Tiens. Oui. Merci. Du coup, je descends. Tiens, tu peux. Merci. Attends, je descends.
je vais garder le ce bloc là avec l'échelle là. Voilà. Et du coup, j'étais parti pour me chercher une scie. Est-ce qu'on peut faire des portillons? Scie, maman. Oui, il doit y avoir, oui. Ah, ah, ah. Il y a plus de scie. Ah, si, mais oui, non, mais si, mais oui. Non. Mais si, si, mais non, non, mais si. Si, si, la force de la sorcière. Coucou de la Finlande. Ah, salut la Finlande. Il y en a une ici, de scie. La fin des Landes. Excellent. Oui. Excellent moi-même. Du coup. Excellent moi-même. Excellent. Osh, osh, osh. Ah, y a pas ce que je vois en osh. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre en birch. Birch. Birch, birch, please. Birch. Got my birch. Got my birch. Ah non, y a que de la. Ah oui, ok. Il me faut un truc qu'on a en planche, mais aussi en planche. Enfin, je me comprends. Chestnut. Il y a ce qui arrive. God damn. Ah. Ok. Comment s'appelle déjà ça, hein. Ça dis donc. Oh, c'est du bois comme ça. Ah, j'ai fait du caca. J'ai beaucoup de planches pour rien, du coup. Des blocs. Je m'en servirai. C'est pas grave. C'est pas grave. On te pardonne pas vraiment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais les stocker. Faudrait que je commence à faire des chemins aussi dans notre biome, ce serait bien pour. Il y a du charbon qui a fini. Non, pas encore. D'accord. Pour savoir quand est-ce que mes épisodes sortent, faut regarder le Wix vidéo, je le dis dedans. Mm-hmm. Oui, mais ça requiert de regarder une vidéo et. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup de choses. Si tu veux te tenir informé, tu regardes une vidéo. Ouais, mais non, c'est beaucoup dire. Trop de travail là. Eh hey, mais c'est bon. On te paye pas pour ça. Hein. Ah bah on te paye pas. Pas, donc bon. En fait, on te paye pas. Du coup. Non, on peut pas récupérer la truc transformé en farmland. C'est quelle touche déjà pour P? Non. Pour que le chisel il. On va reprendre du bois. Mmh. Ah, il faut un hammer. C'est pas P, c'est quelle touche aurait, toi, pour que le chisel il se mette à couper. Chisel? Ouais. Ah, je sais plus, il faut configurer dans les touches. Ça veut dire démerde-toi. Ouais, non, mais j'ai compris. Bah je sais pas quelle touche il a de son côté en fait, je sais même plus la touche que j'ai moi-même donc c'est pas pour savoir sa touche à lui. Je sais pas si t'as une touche Edo. Hein. Oh, X ça te fait avancer continuellement. Sympa. Que... c'est bon à savoir. Ouais, là où il y avait la farmland, je suis obligé d'enlever la farmland, je récupère pas de dirt et je dois remettre la dirt à la place. C'est un peu embêtant, mais bon, faut que ce soit fait. Ah, le zombie qui essaie de me tuer. Je veux te mourir, toi ! Il s'est démembré devant moi. Bon. On va sortir de là. Est-ce que c'est buggé ? Alors. Ok. Merci, Ted. Du coup, on va mettre ça. Oh, il y a ma chérie sur le live. Va travailler. J'allais le dire. Feignasse. Non, en vrai, elle est dans le train. Elle est dans le train, calmez-vous. Méchanceté. Gratuite. Manger ça là-dedans? Non. Oh, c'est gratuit. Ok, je cherche dans les options. Mais le souci, c'est que je ne parle pas anglais. Voilà. Alors, attends. Les vers sur le sol, c'est des vers de terre. Des vers de terre. C'est des chenilles. Des chenilles. C'est pour pouvoir faire de la lumière. Chisel. C'est comme des torches, sauf que les torches dans TerraFirmaPunk s'éteignent. Non, en fait, c'est des vers. Des vers de la lune. Ben voilà. Des vers luisants. Bonjour, toi. Ouais, basiquement. Basiquement. C'est Connor. Basiquement, c'est basique.
basiquement. Je vais mettre des blocs de dirt ici qui vont me servir pour faire rentrer les moutons par-dessus. Et je vais aller chercher des moutons. Enfin, quelques-uns déjà. Genre un bon début. Faudra aussi un enclos à cochons. J'arrive pas à trouver. L'enclos à vache, je le ragrandirai. Enfin, je vais faire fusionner avec celui du mouton actuel. Attends, je regarde dans les contrôles. Et puis, il me faudra un enclos à cochons. Bien que là, c'est déjà un sacré enclos. Je pourrais le diviser en deux. Ouais. Ouais, quoi qu'il faut de la place pour les moutons, évidemment. C'est les touches Terra Firma Craft. T'as Sickle Tool mode. Ah, Sickle Tool. Là, déjà, ça me parle bien. Mieux. Merci. Alors, Arcos pour le Twitch Prime. Sickle item mode, c'est ça? Merci. Sickle tool mode. Cycle tool mode. Tool mode. Moi j'ai mis la touche up. Ma jute! Ouais, ma jute. Dans ma jute. Du coup, sickle, il va falloir tool que je descende mode. Juste là. Vache, ça fait loin quand même. Hein. Jute fiber. Que vous êtes bon. Rope. Rope. Rope, rope, guy. Got the fight power. T'as ok. Je vais me resservir de la flotte. Jute fiber. Yeah, boy. C'est bon, c'est en cours de création. Okay. Ouais, je pourrais. Ça. Où est-ce que je pourrais mettre les cochons? Mes petits cochons. Ah, on pourrait les mettre à gauche à la maison, ouais, ça passe. Ah, c'est dans la haute barre avant le chisel. Ouais, ça passe, il y a la place. Ah oui, en plus, ça fait un an. C'est même pas affiché. Arcos. Arcos. Faudrait qu'on pense aussi à faire notre temple pour se baigner dans l'eau chaude. Ah ouais, on va le faire, ça. Une prochaine fois. Bon. Wow. Ce squelette. Ma jute fiber, je vais chercher mais ici, le squelette. Mouton. Qu'est-ce qu'il fait le squelette? Ah, il est assis sur une petite araignée, le squelette. C'est pour ça qu'il a réussi à monter. Saloperie. Hein. Ah, là, c'est bon. Hein? Je l'ai trouvé. Squelette de mort. Alléluia. Je t'ai vu, toi. Alors. Aurélien, Aurélien. Hmm? Je te donne mon cœur. Non, merci. Ah, oh, j'ai le cœur brisé. Non, il a l'air en très bon état au sol. Tu vas te l'acheter au sol, ton cœur, donc tu t'y donnes. Edo, je te donne mon cœur. Cours, Edo, cours. Personne ne veut ton cœur. Mais c'est un cœur dégueulasse que tu offres. On a pas mal de fer, on a Willingo. Willingo, tant que ça. C'est déjà pas mal. Non, mais je vais te reprendre à chaque mot que tu diras. Voilà. Oh! Basiquement. Basiquement. Et ça a fini le charcoal, non? S'il n'y a plus de fumée, ouais. Il y a deux trucs de charcoal. Ouais. Moi, j'ai enlevé la fumée, donc... Full bois, hein. Oh, fuck, je suis coincé. Tiens, je vais illuminer ici. Quartzite, on en a masse. Oh, fuck, j'ai enlevé un verre. Fuck. Basalt. Si je faisais ça en basalt. Oh, ouais. Le basalt, c'est trop rigolo. Peut-être me prendre une vaisselle de sandwich, ce serait plus pratique que ce que j'ai actuellement. Ça. Et aussi les larges vaisselles. Les larges vaisselles, on peut les garder sur soi. Là. D'accord. Je crois, ouais. Alors ça. Et salut les petits mineurs. C'est pas lourd, quoi. Tu me cherches, toi. C'est pratique, quoi. C'est plutôt gros, quoi. Tu meurs. Oh, il a droppé du coal. Pourquoi tu te caches dans un arbre, toi? Ah oui, mais il faut la placer au sol pour l'utiliser. Oh. Du châle, on en a plus, ça c'est chiant. C'est chiant. Ah ouais, t'aurais pas dû utiliser de châle, je pense, parce que ouais, il y en avait pas beaucoup. Bon, attendez. Première chose que je vais faire, c'est relancer une production de fer, comme ça ce sera en train de cuire pendant que je construis, moyer. Ouais, ça c'est préférable. On a encore de quoi faire du fer, nice. Ouais, ouais, on a encore de quoi faire deux tournées. Donc nice. 12 lingots. Ah, ça c'est bien. Ouais, et puis là de toute façon, je pars dans la direction où il y a l'autre mine de fer qu'on avait trouvé. Faudrait mettre des verres ici, ML, t'as vu, c'est pas éclairé. Où ça? Attends, je reviens. Ici, ah, là où est qu'on pense aussi à décorer un peu mieux avec des chemins et des jackos. Ouais, on va commencer à mettre des chemins un peu partout, je pense. Bon, les jackos, on remplace au fur et à mesure.
On pourra mettre des carpettes sur les Jacko ou autre chose si on peut faire des carpettes. Peut-être qu'on peut faire des carpettes. Du coup, tu veux que je mette. Ah, là-bas. Lime carpet. Faut juste de la laine en fait. On n'avait pas. Il n'y avait pas des trucs genre les dirigeables sont en laine, non? Oui, les dirigeables sont en laine. Il faudrait qu'on en fasse un pour le dépouiller. On en fera un au prochain épisode alors. Parfait. Moi je dis. D'ailleurs, ça fait genre 7 épisodes que tu dis oui, on regardera le livre de quête au prochain épisode. Quel livre de quête? Alors, ah oui, tu l'as jamais fait. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, je m'en vais très loin. Je ne vous verrai sûrement pas pour la fin de l'épisode, messieurs. Non. Non. Tu vas où? Au fer? Ouais. Nice. On a mis ML au fer. Ah, il a de quoi faire. Non, ça va ça pas va, le faire. Ça va. Et du coup, non, je ne ferai pas le FFS. Ça m'intéresse pas. Le FFS, le Fight for Fuck's Sake. Non, ça m'intéresse pas. Le faceplan. Je n'y participe pas. Le fucking fuck saké. Dans la c'est mine, long à farmer dans la le mine. Charbon, en fait. Ouais, t'as vu ça? On pourrait trouver aussi un gisement de bismuth coal. On a assez de bismuth. Non, de bismuth coal. C'est quoi? Le bismuth coal, ah, c'est du coal. Ah oui, c'est le charbon. C'est le bismuth qui t'appelle. Ouais. Que... Ouais, ça va, c'était pas drôle, faut le dire. Hein. Bah si, un petit peu, quoi. Un peu? Ouais. Ah, ça va. Ah, les moutons auront un magnifique environnement. Dès que j'ai ma jute fiber, je vais les chercher. Hier, t'as vu, ils ont un beau enclos, hein. T'as vu ça? Y a même pas d'herbe. Elle pousse, François, elle pousse. Regarde, ça pousse ici, ça pousse là-bas. Ça pousse, ok? C'était un champ avant. Fuck you, François. Ça pousse. Wow, François, c'est qu'un vilain, de toute manière. Ça pousse. Moi, voilà. Ouais, je le dis, hein. Il est vilain. Moi, je te pousse. Ouais, mais, hey! Qu'est-ce que tu fais là? Montrez moi, viens là! Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Cette violence. T'es sérieux? J'ai bon que j'ai vu le chapeau, sinon franchement je t'aurais pas vu. Tu mérites de survivre juste rien que pour cette bonne raison. C'était beau. C'était beau quoi. Ah, c'était, ah, c'était genre, beau. J'ai eu le réflexe de faire. Il est où? J'ai fait. Je peux. Ah, franchement j'étais en mode. Mais il est où? On te voit pas, à part le chapeau, franchement, on te voit pas. Moi, bon, je vais aller chercher les moutons. Ah oui, t'as vu la tête de Weezer qui flottait. T'es bilingue, ouais. Je comprends c'est l'anglais. C'est ça qui t'a trahi. De là à dire bilingue, je sais pas. Ah, c'est ici que je m'étais fait buter c'est par les mouton. Géants, ouais, c'est ici. Hein. Il y a de l'eau chaude là. Ouais, il y a un mouton là. Il est juste à côté de chez nous. Je vais prendre les rails. Ce con, il est juste là. Oh, il a dit un gros mot. Oh, mais qui est con. Oh, il a dit un deuxième gros mot. Oh mais quel con! Oh il a dit un troisième gros mot! Attention je vais dire un gros mot. Anticonstitutionnellement. Ah, même fuck! Oh viens. Mais les moutons ont tous une tête que je veux avoir quoi. Un chapeau que je veux avoir. Pourquoi? Là il y en a avec la tête de Mr. T quoi. Tue-le! Non il faut qu'on le garde. Plus tard peut-être. Mais j'ai ouais, des non les moutons on les tue pas pour la viande. Les moutons c'est pour la laine donc on doit les garder. Ah oui. Bon, sauf si on fait un dirigeable. Si c'était un mâle encore, mais là c'est une femelle, donc je suis obligé vraiment de la garder. Quoi. Parce qu'on a déjà un mâle, donc il faut un couple. Ouais, mais c'est un mâle pour un bien. Oh. Faudrait vraiment enlever les restants de la maison, par contre. Enfin, les restants de l'ancienne maison. Ouais, ouais. Il faudrait enlever les verres sur la maison aussi. Pardon ouais. Hein, quoi hein. Mais laissez-les faire de la lumière. Ils sont nés pour ça. Je suis contre la maltraitance des asticots fluorescents. Exactement. Bien le mouton. Allez. Ramène. Ramène tes feux, salut. Allez. Dans l'enclos. Allez. Rentre. Hop. Ah, gentil mouton. Chose quand même ici. Hein. Regarde François l'autre. T'as vu, ils ont tous un chapeau que je veux voler, quoi. Pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? Allez, viens le mouton. Ah, c'était aussi une femelle en fait. Bon, il faut deux mâles alors.
Venez, venez. Enfin, viens, viens, viens. Oh, y a pas de mal. Ah, bien qu'il y en a un qui est mort devant le donjon. Y a des fleurs aux arbres fruitiers, auré. Ouais, ouais, je sais pas, c'est le printemps. Hein. C'est le printemps, on dirait des cerisiers japonais. Alors que c'est des pêchés. Oh, non, ça fait chinois ça. Mais non, tu dis ça parce que t'es nerveux. Ils vont bientôt déposer leurs pêches, ces arbres. Y a aussi tous les buissons là. Excellent. Normalement, vous pouvez vous échanger des chapeaux, c'est vrai ça. Ah, j'avais plein de bananas tree sapling, mais je sais pas si les bananas peuvent pousser par ce temps. Bon, on fait. Banana. Viens voir, Auré. Oh, je l'ai planté. Viens voir, Auré. Viens voir. C'est quoi ça ? Un H. Non, le H, il faut pas le planter ici. On n'a pas la place. Le Willow aussi. Non, il faut planter autre part. Ça. On plantait en dehors de chez nous, là. Sinon, ça va prendre la même place de regarde, fou. Viens voir, Auré. Attends, je plante deux trucs. On peut échanger des chapeaux. Ouais, je sais qu'on peut échanger des chapeaux. Ah, mais moi, je savais pas. Ouais. Oh, il t'a remis à ta place. Comment il m'a remis à ma place, quoi. Ah, c'était dur, là. Oh, non. Oui, Auré. C'est moi. Tiens-le. Tu veux vraiment? J'ai plus de vie, j'ai un armor. Il fait très mal. Ouais, mais si je te tue, il meurt. Un petit marrant, toi. J'ai planté plein de bananiers. J'espère qu'ils pousseront beau et fort. Oh, tiens, j'ai peut-être planté un peu trop près de l'autre. Ah, il y a un zombie dans la cave, ça non, devait arriver. Oh, ça arrive de temps en temps. Tu vois que c'est pas un creeper, ça va? Yes. Petit sandwich. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma corde? Oh, je l'ai fait tomber au sol. Fuck. Elle est là. J'aurais peut-être assez. Ma corde de jute! Mes choux, mes jutes, mes tout. Un seal. Ah, plein de jutes fibres. De quoi faire plein de cordes. Ce téléphone. Waouh. Waouh. Notification. Pourquoi il envoie toujours une notification au pire moment? Non, les chenilles partout, c'est pas le printemps, c'est ML. Hein. Voilà. Même pendant que je faisais le record de Celestia 150, là, il a sonné en mode ouh, fuck you, man. J'ai trouvé du silver par terre et un loot bag par terre. C'est beau. Oh, et puis il m'a donné du bronze, une tête de pioche en bronze. Rope. Ça va. Rope. Ça va. Rope. Aimez-vous le rope? J'ai 9 ropes. Je peux ramener 9 bêtes en même temps. Allons chercher plus de momo, plus de tonton. Oui, ça a une durabilité, mais je peux le remettre full avec seulement 3 torches berries. Et je sais où en récupérer, il suffit de retourner dans le donjon où il y a les squelettes de mort là. Tuer, c'est bon. C'est bon, oui. Voilà quoi. Alors du coup c'est quoi ça? C'est un cherry tree. Normalement les mémés aussi devraient pas trop tarder à donner des bébés. Enfin il me semble. Quoique ça prenait pas mal de temps. Le Floyd Joe. Les cochons c'est plus rapide. Ok, donc il faut que je dois aller dans cette direction. Vraiment pour la viande, il faudrait vraiment que je ramène des cochons. Normal, c'est parce que les cochons ils sont panier de cochonne. Ça. Les cochons ça donne beaucoup, ça grandit plus vite et c'est tout bénef. Oh, les cochons. Et puis tout est bon dans le cochon. Où sont les moutons? Où êtes-vous? Que faites-vous? Venez me voir. Venez voir papa. C'est pas petit, très petit, rassurant. Petit. Petit, j'ai du grain. Petit. Médor. Non, ça c'est autre chose. On peut pas par en dessous. C'est là qu'est mort un des moutons, tué par ML, sauvagement. Du coup, bon, maintenant il vit dans notre sandwich, donc ça va. Il vit en nous. Quoi? Ouais. Ah bah un mouton, des moutons, un autre mouton, des moutons. Allons chercher le plus loin d'abord. Mais vous allez mourir. Et là, ils jouent les chèvres des montagnes, les moutons, quoi. Ils sont sur le bord de la falaise en mode YOLO, le plus complet. Vous ne deviez pas nettoyer un zeppelin pour y faire les mobs. Le prochain épisode. Allez, viens. Donc, le prochain Jean-Luc, je suppose. Allez, Jean-Luc. Jean-Pierre. Jean-Emmanuel.
C'est le seul mâle de la tribu. Ouais. Il y en a assez d'un? Ok. Mais il y a trois femelles, un mâle. François dit, nous, on met bien un mâle avec 50 femelles. Bon, il a du travail, votre mâle. Ah. Il a dit quelque chose que je ne répéterai pas. Il a dit que... que les appareils masculins du mouton rapetissaient très vite. Pendant... Bon, ah, bref. Une bourse molle, quoi. Ah, ça... ça, je ne sais pas. Allez, les moutons! Oh, c'est... à travers les montagnes, c'est pas facile, hein. Ils doivent monter, descendre, monter, descendre en permanence. Est-ce que c'était là-dedans que j'avais vu ça? Vraiment du mal à monter des blocs et à descendre. Ah, sauf hématite. Enfin, descendre, ça va monter les blocs, par contre. C'est horrible. Allez, venez vite! Je commence à faire nuit. Large. Ouais. Pardon, t'es souhaité. Oh, ça va. Oh, ça va, là. Ça va, ouais. Et ça va. François, dis-moi, les cochons et les moutons, ça vit bien ensemble? T'es sûr de ça? En vrai, je sais pas. Ok, bon, merci François. Je me dis, je pourrais mettre les cochons avec les moutons dans l'enclos, quoi. Tu vois. Donnera des... apparemment, les cochons se reproduisent trop vite, donc c'est mauvais. Il y aura plus ça donnera des cotons. Ou des mouchons. Des mouchons. Moi, je veux bien des mouchons. Mes choux! Allez, prends. Et prends. Oh, ils sont beaux, les moutons! Oh, oh oui, regardez ça! On a 4 petits moutons! Oh, c'est mignon, les moutons. Je les nourris, François. C'est déjà mieux que rien. Combien de pourcents? Pas assez. Allez, échelle. Largement pas assez. Yep, faut éviter le langage SMS sur le chat. Ragrandissons l'enclos des bébêches. Ah, ok. Du coup, on va prendre pas mal de bois parce qu'on va en avoir besoin. Et arranger tout ça. T'es arrivé au fer, toi? Ouais. T'as de quoi faire? Oui. 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 Nul. Allez, ouf, on va commencer j'ai à plus de chisel déjà. On va faire une enfer, hein, ça va aller, ça va être vite fait, cette histoire. Avec le cabreau, enfin le truc. Mais oui, c'est sûr. Mais oui, c'est clair. Pas de chisel là. Ça va les mémés? Oui. On le fout des coqueurs, allez. Faites des bébés! Des bébés! Des bébés! Ouais, elles se reproduisent naturellement. C'est pas cool, ça. Non, mais elles sont. C'est inscrit qu'elles sont enceintes, tu vois. Ouais, c'est bizarre. Elle est enceinte depuis le 4 mai de l'an 1001. Oui. Mais ça prend du temps, les vaches. Ça prend du temps. 1001. Ouais, ah oui, what the fuck? What the fuck, on est en avril de l'an 1001, elles ont été, elles sont enceintes. Ah non, mais c'est peut-être la date à laquelle elles doivent accoucher. Ouais, le 4 mai. On aura des bébés le 4 mai, les mecs. Parfait. Dans quelques mois. Dans quelques toits. Qu'est-ce que tu regardes le mot? Non. Non. Il est gentil. Ah, oui, ça fait mal. C'est le... mal, c'est le buisson. Oui, c'est le buisson. Ok. C'est le bébé. Est-ce qu'on avait d'autres moutons à proximité que je pourrais aller chercher? On avait les cochons, je pourrais aller déjà les chercher. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bon, j'irai les chercher à un prochain épisode. C'est les cochons. C'est les cochons. Il devait avoir d'autres moutons, je sais plus où ils sont. Ok, ça y est, je commence à trouver. Ah, c'est du porc hématite. Oh. Oh. Pas grave, si t'en as beaucoup. What the fuck, qu'est-ce que tu fous, toi? Ouais, c'est. Là. Voilà.
C'est la quantité qui compte. Oh, bah, j'ai eu un Gilded Iron Chestplate. Hop là. Petit sandwich. Cool les sandwichs. N'est-ce pas? Oui. Ok. Bon. Ah, je suis tombé sur le filon, ça y est. Ça avance bien ta petite forge là. C'est très sexy tout ça. Ce petit début là, j'approuve. Je rehausserai juste un petit peu la hauteur des cheminées, quoi, plus tard. Ouais, bah ça c'est prévu. Et ce serait quel me trouve par contre. Excellent. Ah, j'ai envie de dire que c'est excellent. Excellent. Je sais plus exactement quel jour on est là. Il a perdu le sens du. Ah, attends. Le sens du temps. Bon, je pense qu'on a à peu près fini là. Oh, on peut toujours en trouver là-bas. On a rempli pas mal d'objectifs. Le champ est planté. Prêt la pour. La forge a commencé. Le terraforming ouais, est fait. Ça pousse bien. Donc, visiblement, j'ai planté dans de la bonne terre là. Je vois déjà des trucs à 34% de pousse. 20% ici. On a du 18%. Ça pousse bien, franchement. D'ici quelques jours, on aura déjà une première récolte, franchement. Franchement, c'est franchement. Voilà, je le dis. C'est le nouveau mot à ouvrir. Basiquement, c'est franchement. C'est franchement, basiquement. Sympa. Voilà. François, franchement, c'est les arbres fruitiers, ça pousse. Les moutons, ça pousse. Enfin, bref. On a l'enclume de fer. On a de quoi faire du fer. Ah, franchement, je pense qu'on a fait pas mal de trucs cet épisode. Qu'en pensez-vous? Je pense que oui. Donc on va en rester là. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit un pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve après un prochain épisode et on vous dit... Nazdrovie. Nazdrovie. Je vais m'en faire fermer dans ma cave. Voilà. On l'a fait sans boire. Ok. Ah, il reste encore plein de moutons. Moutons. C'est bon. Oh. Hello. Sweet boy. Medium. Medium. Nothing. Brotherhood of Steam Knight. What the fuck? Quoi, t'es medium, Amel? Oui. Ah, mais on est à l'extérieur, on est dehors là. Est-ce qu'on commence à tourner un autre épisode ou voilà? Bah, on pourrait. Dans ce cas-là, si on en fait un autre, on va faire le dirigeable. Yes. Ou on continue juste de tranquillement farmer. On avait dit un dirigeable le dernier épisode, non? Je sais plus. Enfin, on l'avait dit, on n'aura pas après, le temps vraiment d'explorer, quoi. Il suffira juste de... Non, puis là, il faudrait que je revienne. ouais, c'est ça. Oui, non, bah non, alors. Ouais, continuons juste de tranquillement farmer sans vraiment record. Pas grave. Non, François, on est encore loin des vaches, hein, t'inquiète. Ouais, mais on a le 1er avril. Oh, regarde ce que j'ai dans la main, t'es jaloux. Edo? Ouais. Regarde la date du jeu. Ouais. Ce qui veut dire... Poisson d'avril. Oh, dis donc. Attends, là, ça va pas, ça. Whoop. Oh, fuck. Où sont les cannes à pêche? Le pêcher de poisson d'avril. Je suis choqué déçu, là. Et choqué déçu. Au final, ce qu'on avait trouvé dans les montagnes, y a pas grand-chose, hein. L'autre était mieux, les deux gisements, mais on l'a à peu près exploité. Complètement, ouais, parce que là, j'ai récupéré que 16 et 5 de porc hématite, et c'est tout ce que j'ai pour le moment. Après, ouais, il vaut mieux chercher, hein. Des fois, je te dis, le truc, il indique pas très bien. Hein. Oui. Bah, depuis tout à l'heure, il me marche uniquement médium, hein. Dans ton cube. Qu'est-ce que vous avez fait des cannes à pêche? Yoki down. Bon, sinon, j'ai déjà lancé le record du prochain épisode, du coup. Bonjour. Bah, coucou, du coup, voilà. Coucou du coup. S'il y a besoin de dormir, il faut le dire. Du coup, non. Non, on est tranquille, on est à la maison, t'inquiète. Ah ok. Mais voilà, ouais, canne à pêche. Où sont les cannes à pêche? Elles sont pas encore dans l'ancienne baraque qu'on a pas fini de dégommer.
Non, il a regardé. Bah, il y, y a deux racks d'outils et il n'y a aucune canne à pêche dedans. Donc. Ah bah, et pas un coffre qui se cache. Ah, peut-être dans des coffres. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'étais en train de faire le cuir, moi. Ah voilà, hey, je peux faire du cuir. Hey. Sinon, il faut faire l'intro. On n'a pas fait Nasdolovir. Bon, on le fera plus tard avant d'aller dans le dirigeable. Bon, ben salut à tous, on se retrouve. Bon nouvel épisode des survivalistes. En compagnie de monsieur. Et de Rocky. Et en monsieur, en, en monsieur de compagnie, ML. Jourbou. Oui. Jourbon. Jourbon. Jourbou. Jourbou, ouais, boulet. Voilà. Je prendrai bien une petite tranche de jourbou. De jourbou, s'il vous plaît. Regarde, Edo. Ouais. Je me mets du bois au sol, tu vois. Puis je mets ma, ma hide dessus. Enfin, normalement, c'est ça. Ouais, ça fonctionne bien, ouais. Je sais pas, normalement on peut mettre dessus, mais ça ne m'a pas. Ouais. Voilà, il faut que je fasse un petit peu. Et c'est ce que j'avais dit de faire! What the hell, man? François se moque de moi, mais il s'étouffe. C'est qui rigole maintenant? Mais. Non, non, c'est pas dans la table de craft, François. Il faut le placer sur, quelque... sur un truc de lock pile et puis il faut le couper au couteau. Ouais, mais c'est pas un bon truc, ça, c'est un geste spécial. Trop de trucs sur moi. Lézard, terra firma craft. Oh, do I do this? Oh, do I do this? Hey. Donc, il me faut de la... De la hide socked, j'en ai. Scrap hide represent the step in laser tanning in which the fibers are removed from the hide, making a clean surface that won't rot as easily. On scrapping me dit qu'il faut deux blocs de bois ou de la paille, ouais. Deux blocs de bois? Ou de la paille. Ou de la paille. Hein? Ouais, même sur le wiki, il dit juste un bloc de bois. Mais genre un bloc ou plus un petit tas de bois, genre quand tu stockes le bois. C'est ça, je comprends pas. J'ai essayé le tas de bois, quand on le stocke, ça marche pas. Donc ça doit être le bloc de bois. Attends, avec le décalage qu'on te réponde. Oui. Normalement, tu as un mode slab pour faire des dalles directement avec le chisel sans faire... Ah non, ça sert à rien à voir. Deux, ça fait rien. Ah bon? Un mode slab? Ah oui. Ah oui. Ah mais non, ça, ça réduit donc ça revient au même en fait. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Marche pas. Salut professeur Fancy. Et de la paille, ben, quelle forme quoi, genre. Pas shift. J'ai shifté François. Tu me prends pour qui? Ouais, faut shifter. Ok. Moi j'ai fait le tour. Je ne répondrai pas. T'as fait le tour déjà? Ouais, depuis tout à l'heure je suis en train de creuser et au final je retourne à la surface à chaque fois. Donc y'a rien. Il y avait vraiment que dalle ici. Ah, et y'a personne qui me montre comment faire. Tout bad. Personne qui sait comment que ça marche pour faire du. C'est quoi que tu veux faire? Making laser and terra for my craft. Il y a des gens qui savent. Bla bla bla. Oh, il y a un mec avec une putain d'armure, la vache. Ok, il est en train de monter. Et donc là, il met du, fait du, il fait ça. Et puis il fait dans la lime water. Non, ça c'est l'étape d'avant. Sable. Du sable dans la lime water qu'il faut là. Non mais je suis à l'étape où, ah voilà, il met un bloc de bois. Il met un autre bloc de bois. Ah ok, il faut le mettre sur le côté. Ça va dire. Je peux pas transférer là. It's stupid man. Un bloc de sable. Voilà, regarde, t'as vu Edo? Dans un barrel, on te dit. Ah oui, il faut faire chaque truc. Non, non, c'est bon. C'est pas dans un. Non, mais je suis à l'étape où il n'y a plus besoin du barrel. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Oh, c'est beau, regarde. Regarde Edo. C'est beau. Je regarde, mais je te vois pas. Oh, ok, il y a un truc qui bug. C'est bizarre. Ok,
Et toujours hématite, faut aller tout droit. Ok, c'est la peau dans l'eau, gratter la peau avec un couteau, remettre non la peau dans un barrel. Non mais là je l'ai mis dans l'eau, là il fallait que je la gratte justement, mais c'est bon, je l'ai trouvé. Et à chaque fois dans des liquides différents. Donc en gros, basiquement, tu dois mettre le bloc. Donc tu récupères la peau de l'animal, ok. Je sais plus ce que tu devais... Il y avait un autre truc à faire d'abord. Il fallait la préparer, puis il fallait la mettre dans l'eau. Ça te donnait genre une peau pleine d'eau. Ensuite, tu la mets sur une bûche de bois sur son côté. Pas un tas de bois, une bûche de bois. Tu utilises le couteau sur chaque petit truc de la peau. Et puis après, tu prends cette peau. Tu prends la lime water. Où est-ce que j'ai ma lime water? Je vais voler. Elle est par là. Et tu mets dans la lime water. Et normalement, ça Comment fait du... Comment on fait la lime water déjà? Cuir. Cuir. Cuir, je sais plus. Mais ça marche. C'est ça qui est cool. Ou alors non, il y avait une autre étape. Je sais plus. C'est possible. 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 On est sur du slate. Les heures, ça donne rien quand je recherche. Tout à l'heure, on est que sur du slate, ouais. On est que sur du slate depuis tout à l'heure. Quand tu es descendu. Hein. Ok. Nom de nom. Ah non, c'est dans la tanine. Oh, quelqu'un a enlevé mon barrel de tanine, j'en suis sûr. J'avais mis un barrel de tanine. Ah non, il est là. Tanin. L'autre, comment il nous accuse et tout. Il y avait un barrel de tanin quelque part et on me l'a enlevé, j'en suis sûr. T'as vu mon barrel de tanin? Qu'est-ce que tu as fait, mon... Non, il est là. Il est là, mon barrel de tanin. Calme-toi, enfin. Mon tanin. Enfin, normalement, c'est ça, mais ça me dit pas l'autre bout. Peut-être que je peux qu'en mettre un. Non, ça fait rien. Ok, j'ai la dalle. Bonsoir à ceux qui arrivent sur le chat. C'est pas très palpitant depuis tout à l'heure. Je creuse et j'ai que de la caillasse. Ah non, il y a un autre c'est truc quoi avant. Comme caillasse. Mais il affiche pas. Slate. What? Slate. Slate. Ouais. C'est quoi? C'est gris. C'est gris marron. Ah non, il faut le relaver un coup dans l'eau. Pff, oh, je te jure ce truc. Ouais, c'est marrant. Tu le mets dans ça l'eau, c'est tu comme le ça que ça se fait du cuir, hein. Tu crois que c'est juste en tuant ouais, une bah, du cuir. Fuck la vraie vie, hein. Fuck la vraie vie. Ça va, mes petits moutons. Ouh, c'est mignon. Tiens, prends à manger. Ouh, toi, tu prends à manger. Oh, tu vas tout manger. Ouh, tu avais faim, hein. Oh, ouais, hein. Toi aussi, hein. Oh, oui, j'ai du gentil mouton, hein. Ils essaient de se sauver, hein. Si vous sauvez, je vous tue. On a 2-3 épisodes d'avance, un peu plus. Il me semble. Toujours deux épisodes d'avance en général. 2-3, enfin ça dépend des jours. Là, toujours à l'heure actuelle, 2, mais 3, ça dépend. Donc, là, à l'heure toujours. Actuelle, on en a 2, mais on est en train de faire le 3ème d'avance. Voilà. Ça va. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai dit, France. Au jour d'aujourd'hui. Non, à l'heure d'aujourd'hui. Fuck you. Je dis ce que je veux. Aujourd'hui, ça va les mémés, ça se passe bien. La reproduction, tout le tralala. Ça copule vénère. Ça copule bien là. Ça fait du bébé. Non, je parlais des mémés, Flins, oui. Les mémés. Mhm. Élémentaire. C'est la tristesse de creuser là où je suis. Ouais, les bouts de bois que je pose dans les souterrains, c'est pour éviter qu'il y ait des effondrements sur ma tête et que je décède. On va trop souffrir. Ce serait quand même bien que ML ne meure pas. Pour ce récap détaillé, Charlie. Okay, j'ai de quoi aller chercher les cochons. Je vais aller chercher quelques cochons avant qu'on parte au... Au casse-pipe. À notre petit dirigeable. On va au dirigeable à côté du château et tout. À côté du château, j'ai trouvé un double dirigeable, donc c'est... Double le fun. C'est pour N'est-ce ça que... Pour ça. Pour ça qu'il faut manger du sandwich pour qu'on se fasse plus de points de vie. Très important.
Je suis à 1308 points de vie, 1310. Pour information, le maximum de points de vie, c'est 5000, je crois. Ah oui, il faut vraiment avoir toute la bouffe au max. Et puis, à mon avis, il doit y avoir des trucs avec nécromancie pour se faire plus de vie aussi. Certainement. Non, comme exemple, c'est Terra Firma Craft de base à 5000 points de vie maximum ou 4000, je sais pas. Faut juste bien bouffer pendant des mois, à mon avis, et des années même. Oui. Genre avoir des sandwichs avec du fromage, des fruits, des légumes, de la viande, bah oui, du tout. Poisson. Ouais, basiquement, ouais. Basiquement. Basiquement. Oh, il y a un truc, il a dû refaire froid pendant un moment, il y a une graine qui a popé, il faut que je la replante. C'est un peu embêtant, mais c'est la... Ouais, c'est... la canne à sucre, elle aime pas le froid, basiquement. Ouh. Basiquement. 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 Les autres, ça va. Tout à fait, tout à fait. Les autres, ça va, ça va bien. C'est juste la canne à sucre qui aime pas le froid. Bon, c'est pas grave. On replante et puis c'est bon. Hein. En général, oui, un live, c'est un épisode. En général. Basiquement. Je savais. Oh. Eh non, 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 tu sors pas, c'est mon tour. Voilà. Sinon, je te tue. Déjà que je mange un sandwich avec ton frère. Ou sa mère, dit François. On sait rien. Il est en train de manger ta maman devant toi, quoi. Et j'ai tué ta maman. Et je la mange dans mon sein de wick. Il en a perdu sa maman. Bah, c'est Mel qui a tué la maman, en fait. Hein. Moi en attaquant le squelette. Hein. Ah, bah oui, un coup de masse. Il n'y avait plus de mouton. Hein. Non. Il a tellement tapé fort à sa masse, le mouton a explosé en viande et en peau. Et... C'est totalement faux. En différents trucs. Ah, il a pas découpé François, il a littéralement explosé. Je l'ai vu, hein, j'ai le record. Salut Aloun. Vindic peut nous repasser le moment. Hein. Vindic ne le repassera pas le moment. Si. Parce que c'est faux. Si. C'est moi qui paye Vindic. Donc. Est-ce qu'il nous reste du quartzite brique? Mais je recherche les heures, je tape pas les heures, qu'est-ce que je fais? Comment ça s'écrit les... Le hasard, oui, c'est vrai. Cette grotte. Cette grotte, je la. Cette grotte. Alors attends. Il faut de la shibalder. Oh, fuck, j'en ai. Oui, j'en ai gardé. Refais-le moi avec l'accent là. Il faut une panse de mouton pour mettre de l'eau dedans pour que tu puisses boire, Edo. Parce que j'essaie de te faire une gourde avant qu'on parte, tu vois. Ce serait quand même bien. Ah ouais, ce serait chouette. Comme ça, on peut rester longtemps dans le bateau sans se préoccuper de la flotte, quoi. Bon, après, il faudra qu'on se mette d'accord. Hein. Pour le bateau, dès que vous êtes bas niveau vie, vous sautez dans l'eau le plus vite possible. Parce que le bateau est au-dessus de l'eau, donc vous sautez dans l'eau, au moins, comme ça, vous êtes sûr de survivre. Basiquement. Ouh! Du pépère. Non. Et la poule, la poule. Trop. Faut du lait. Ah, il fait nuit en plus. Oh, le craft des blocs, dès que t'as le malheur d'en utiliser trois différents. Voilà. Les briques, tu sais. C'est la but. Je récupère une de tes barrières. Garde-la ta barrière là en Charles. Oh, on a commencé le live, ça fait 2 heures. Ouais. 2 heures. Mais je communiquais avec les moutons. Ah. Ah, il y a des spawners à laine, apparemment. Donc faudrait... Spawners à laine. Comme ça, en plus de... Ah non, des spawners, ça peut nous faire des loot bags. Oui, voilà. Ah. Enfin, il a dit, voilà, si on veut les aménager, ce serait cool plutôt que les casser. Ah, j'ai l'arche prépare hide, ensuite je la mets là-dedans, je seal et j'aurai 3 de laser. Non, quelques heures. Dans les heures qui passent. Tout à l'heure, je pourrais faire une gourde. Je pourrais même faire 2 gourdes, techniquement. Ouais, je pourrais faire une gourde de secours, on sait jamais. Ah, quoi qu'il me faut de la... Ah oui, il me faut de la wool. Ah, j'avais oublié qu'il fallait de la wool. Mais ça c'est facile avec les strings. Ouais, non, il faut de la wool. Je pense que ça vient de la laine, je sais plus comment ça se fait ça.
Ouais, ouais, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, ah, mais ça sert à ça le spindle. Il me faut de la wool. On en a un de spindle. Ah, mais je peux récupérer de la wool avec la peau de mouton. Il y a plein de cochons ici. Est-ce qu'on a une peau... Oh, on doit avoir une peau de mouton vu qu'on a tué un mouton. Sans faire exprès. On doit avoir une peau de mouton si on l'a gardée. Sheepskin, yes. On a plusieurs peaux de mouton, bizarrement. C'est pas grave. On a des small et des petites. Ok, alors, du coup, réfléchissons pour le ça. The fuck, c'est quoi ce truc-là ? Il faut que je prenne. Oh, ok, c'est bêtement un coup de couteau et puis c'est bon. Yeah, boy. Ah, ouais. Ça redonne la. Ah, ça donne une peau en échange. Nice. C'est bon, on a de la laine. On a Francis. Il me faut le spindle que je me suis toujours demandé à quoi ça servait, qu'on en a eu un. Ah bah c'est le là. Ceux qui avaient pas. Je peux utiliser le spindle pour faire. Voilà. Allez, ma laser. Il manque plus que le laser et puis je suis bon. C'est bon, il est parti. Pas le laser, le laser. Je suis tombé sur une bestiole, je sais pas ce que c'était. C'était un Curse Spirit. Oh. Il a essayé de me bouffer. Ah bah ça. Est-ce qu'il y est arrivé ? Non. Okay. Presque. Ça pousse bien dans mes plantations. J'ai pas de petits problèmes dans ma plantation. Ça pousse très bien, bien. Très bien. Il faudrait ranger aussi la forge là, parce que tous les trucs c'est vraiment mal foutu. Oh, nice. Furnace. Ah, faut que j'attende. Ah, là, c'est classe comme ça, c'est un bon contraste et tout. Donc, en gros, quand je reprends la dimension, je perds mes points de vie, c'est ça? Je plus souhaite. Well. Mm-hmm. Bien que je me suis dit, tu l'as mis un peu haul, toi, non? Bah, non, parce que. Non, non. Non, ça va. Je me dis, il est haut quand même, parce que c'est grand, quoi. Quand t'es en dessous, c'est haut, quoi. Non? Ouais, bah. Bah, c'est grand, quoi. Là, le vent, il passe facile en dessous, quoi. Tu les as ramassés, les barrières que t'as trouvées? Ouais, tiens. De chez. Ouais, j'en ai qu'une. Hein. Ah, t'en as qu'une seule? Ouais, je suis désolé, mais... Voilà. Fais pas d'effort. Quoi? Limite, est-ce que je peux faire des barrières en quartz? Non. C'est les mêmes. J'ai déjà tué les mêmes. Ouah. Transformons encore en plus de laine. Merci. Oh. De l'eau chaude, je vais faire en basale. Spindle. Ça, ça pourrait être classe en basale. Yes. Il y a une grosse araignée. Ah! J'ai pas mon arme. Quoi? Je vais te défoncer maintenant, j'ai mon épée. Fais-moi la maline, hein. Pas la maligne. Ah, c'est des mobs simples à farm, apparemment, dans le Zeppelin. C'est des mobs simples? Parce qu'ils réagissent comme les pigmen. J'ai encore récupéré tes barrières, je les ai jetées. Donc c'est des mobs qui sont pas dangereux en soi, mais ils attaquent à plusieurs, quoi. Apparemment. Et ils vont forcément attaquer si on fait quelque chose, enfin, genre si on prend les comme coffres. Comme les pigmen. Ah bah se dire qu'il n'y a pas besoin de les taper alors. Juste tu récupères tous les loots et puis tu te casses quoi. Apparemment. À moins que ce soit eux qui drop les trucs intéressants. Si mon viewer est bien renseigné. Ouais, ça sent... ça sent l'arnaque. Hein. Trop bon pour être vrai. Es-tu un arnaqueur, Doutech? Moi je dis... Oh Oh je veux ton chapeau. Ah oui. Il y a un truc que je voulais, mais je sais plus quoi. Bon, c'est pas grave. Tu le chapeau. J'ai fait ma wool. Ah, je voulais déposer ça. Oui, ça. Spindle. Spindle, man. Ok. Est-ce que mon laser est prêt? Non. Toujours pas. Faut plusieurs heures. Sad. Bah. Pas fou. Bah. J'ai bien ramassé un chapeau là. Il est où le chapeau? Bah des fois, non, ils ont des chapeaux, mais en fait c'est un casque. Non, ça m'avait dit looter et tout. C'est le shadow. Ah bah alors, je sais pas.
Après, des fois, ils ont des noms de joueurs, tu sais, donc c'est un peu... C'est pas un texture pack, hein. On est sur Terra Firma Punk. Et du coup, j'utilise pas de texture pack. Ok. Ça fait mal. Super Pig, je suis obligé avant. D'attendre en fin de compte de récupérer ma vie, c'est pour ça que je bouge pas. Ah oui. Ah, ah oui. Ah oui, je voulais des sandwichs, voilà ce que je voulais. Merci Mona. Merci ML. Mais de rien. Ah, du coup. On a un dirigeable près de notre base. Pas très loin, ouais. Attends, je te dis ça. Parce que moi j'en ai un à côté. Toujours au-dessus de l'eau. Et ouais, là où tu as le fer, oui, il y en a un juste à côté. Ouais. Pas où. Il y en a même deux. C'est possible. Il devrait en avoir un au-dessus de l'océan où on est, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Tu vas pas te le faire sans nous quand même. Bah non, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Là je cherche d'autres endroits où je pourrais trouver du fer du coup dans la zone où je suis. Ah. Parce que là où j'ai ça fait trop longtemps que j'ai creusé, y a rien. Je trouve pas. Franchement il faudrait trouver un des types de roches où on trouve vraiment le fer et pas genre la dacite dans les montagnes, puisque la dacite dans les montagnes c'est plutôt réduit niveau taille. Bah c'est ça. Donc, et surtout qu'en plus il y a moyen qu'on trouve de la kaolinite en même temps. Ouais c'est ça. Ouais. Faudrait qu'on explore. Bon, on fera le Zeppelin cet épisode-ci, puis le prochain épisode, je pense qu'on va aller un peu explorer, parce que de toute manière, j'ai planté toutes mes plantes, donc ça devra encore aller. Ah, quoique, il faut que je donne un peu de bouffe à mes moutons de temps en temps. Au moins jusqu'à quand qu'ils aient confiance en moi. Meu. Meu. Après, ça ne saurait tarder. J'espère. Que j'ai encore des grains pour les nourrir pour les prochains jours. Normalement oui. Dolomite. Peut-être. Brick. Ah ouais, je dis rice grain. Il y a rien ici. World grain. Got my world grain. Voilà. What the fuck? Excellent. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck, man? Excellent, j'ai trouvé de la cobblestone. De la vraie. De la vanilla. Pas de la fausse, t'es sûr? Non, de la vanilla, de la Minecraft. Excellent. Excellent. Je sais pas pourquoi il m'a spawné de la cobblestone ici, d'ailleurs. Ouais. C'est bizarre. Hein. Cherche pas. On va pas se plaindre, on en a. C'est bon. Non, Fanoufa, je suis pas sur Celestia, donc tu me verras pas dessus. Yo. Parce que mon cuir a fini. Ok, on va continuer par là-bas. Cuir. Le cuir. Y a des mon crabes. Cuir. Il y a des crabes. Il y a encore des barrières partout qui traînent là, à cause de l'autre là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le cuir? Ok. Autre que la gourde. C'est ça que je me demande. Tétradérite encore, ça m'intéresse pas. On peut faire des casques, on peut faire des trucs en chain. On peut faire un livre. Un Reinforced Tucker Bag. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça... Faire un laser belt, faire un crossbow, what the fuck. Ça a l'air sympa ça. Un ballon rouge. Plein d'armure. Encore lancé dans un truc. Reinforced Tucker Bag, ça m'intéresse. Rizelux. Rizelux. Alors.
On peut faire une selle avec un quiver aussi pour mettre les flèches. Nice. Oh, oh. Le reinforced carbag m'intéresse. Iron buckle, il faut un standard carbag. C'est juste de la jute fiber et de la burlap cloth. C'est de la jute fiber dans un loup. Je pense pas me parler poliment. Oui. Il me faut de la jute. Fils de jute. Bon, il faut. De toute façon, j'ai pas assez de jute fiber, donc je devrais attendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a un backpack de quelque sorte. Pour être cool s'il est genre bien. Ah oui, ça pourrait vraiment être sympa ça. Ton enclos à vache, il c'est me. Deux cœur bag. Deux, un. Un. Il me. Un. Un. Voilà. Exactement. Deux cœur bag. What's the tucker bag? J'ai retrouvé un autre dirigeable. Mais évidemment, il y en a partout de ces trucs-là. Alors ça, c'est du c'est gravel vrai. Classique. Pas mal comme ça. Une pelle, c'est mieux. Ah, ça permet de capturer les animaux et de les ressortir à un autre endroit. What the fuck? En fait, ça permet pas de stocker des trucs, ça permet de capturer les animaux. What? Genre, je mets une vache dans mon sac et puis c'est bon, quoi, je pars avec. Ok. Ça pourrait être bien, en vrai. Pour aller chercher des animaux loin. Ouais. Pour amener un cheval, comme ça. Écoute, ça va, Zedux. Ah, il y a deux dirigeables côte-côte, en fait. Ouais, c'est ceux que j'ai vus. Il y a un château aussi, normalement. Peut-être qu'il y en a un. Pour l'instant, je vois pas. Peut-être qu'il y en a. Je vais faire une gourde à Edo, du coup. Et on sera bon pour aller au dirigeable. Monsieur ML. Faudra me dire lequel vous voulez. Bon, on va peut-être te rejoindre là où il y a les deux autres, hein, du coup. Ah, il me faut de la wool. Get my wool. Get me wool. Mm-hmm. Yeah, c'est la femme comme ça. Pas ça? Oh fuck! I fucked up, man. Oh, je devais pas enlever le coin supérieur. Oh fuck, non! J'ai gâché deux trucs de wool. Enfin, de trucs de cuir. C'est pas... Salut Kekel là. Wow, tombe pas toi. C'est bon. Ok, ça c'est bon. Il y a le feu. C'est bon. C'est bien. Allons chercher une panse de mouton. Et salut The Night Marcher. Donc ici, il y a des sources de lave. Tiens, Edo. Tiens, Edo. Ça va toi, Kekel? Tu as de la flotte. Merci. Bah du coup, ça, je peux l'acheter. Non. Vue. Attends. Passe-moi à la vue. Non, c'est pas le premier creeper que je vois. Ouais, je suis d'accord, c'est pas ouf, hein. Ça faisait vu. Et les mémés, vous avez... Edo? Ah, Edo, j'ai... Ce que tu construis, c'est pas mal. Sinon, ton dernier épisode a combien de... Ah, il en a pas mal de... Ouais, c'est bien, les... Dès qu'il est sorti le jour de la sortie de Celestia saison 2, donc peut-être que certaines personnes l'ont manqué. Possible. Ah bah, c'est le dernier épisode, c'est plutôt le 14, en fait, parce que là, on est en train de tourner un peu le plus avancé. C'est important. Ok, j'ai récupéré des items. On va les ranger. Ah, nice, ça s'est bien passé, vidéo.
T'as traversé en long en large de la Belgique aujourd'hui. Bah, voyons. Ok. Alors il y a plein de toolrack ici. Ceux de bibliocraft, je vais les prendre. Parce qu'ils sont plus sympas que les autres. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Tu peux contrôler le pitch de la jug. Écoute. Vu, ok. Et maintenant? Ah ouais. Faut regarder en haut en fait. Oh. Oh, ça marche aussi avec la laser water sec? Non hein. Non, ça le fait pas. Ah dommage. Attends, je peux essayer. Tiens, bah après le problème c'est que la jugue des fois quand tu fais un clic elle fait pas toujours le vu, ce qui est dommage d'ailleurs. Attends, je vais écouter Edo faire de la musique. Ah, vas-y. Ça le fait pas tout le temps. Ouais, c'est... Ouais. Un peu embêtant. Marrant, y a plein de... Ah, il nous faut une autre jug. Mais on va faire de la musique. Ah, mais non, j'ai pris de l'eau. Je sais qu'il y a une autre jug quelque part, pareil. Cryosote, y a encore un laser sac, Nether Wars. Bien. Laser sac, laser sac, prends-le. Ouais, ouais, laser sac, je l'ai pris. Ouais. Ça fait des réserves de bouffe, de flotte en plus. Ouais. Moi j'ai deux laser sac maintenant, comme ça je suis tranquille. Où est-ce qu'il est ton truc à sandwich? Ah, j'ai la jug, c'est bon. Il me faudrait. Les sandwichs sont dans le stockage de bouffe à droite, t'as tout plein de sel. Okay. Tu saurais faire la pub pour Knecky Erta? Ah, ça demanderait pas mal de trucs. Ouais, en plus des fois ça refuse. Déjà, il faut pas avoir de bloc, j'ai l'impression. Il y a un bonhomme vache. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. Il est mort. Prendre des tops, ça peut être pas mal. Ok, bon, ici, il n'y a plus rien à prendre. Sandwich. Sortons de là. Mais c'est vraiment pas fou que je fais. Hein. Moi, le seul truc que je te dis, c'est que le toit me paraît haut. Mais sinon, j'aime bien les couleurs. Et la forme, même. Ah oui, t'as mis plus d'épaisseur au toit, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. L'épaisseur que tu as mis. Ici, ouais, du côté des vaches. À l'intérieur. Quant à l'intérieur. Ouais, ça. Bon, je dirais, va au plus simple. J'ai pas transformé encore. Yes. Avec le chisel. Peut-être que ça fait quand même un peu épais, mais à voir. Après, je peux encore réduire avec le chisel. Mais sinon, ça fait vraiment trop fin, quoi. Ouais. Donc, pour ça. Ouais, j'ai. Ah, t'as vu? T'as vu? T'as vu? Vu. Du coup, c'est la merde. Parce que c'est qu'un continent. Qui est pas très grand. Je trouve quelques graines de barley, je les récupère. Hein. Attends, moi aussi. Ah, parce que là, il recommence à y avoir des graines qui poussent dehors. Hein. C'est mieux quand t'es en hauteur sur un bloc comme ça. Bah, il veut pas des fois. En fait, je crois pas qu'il faut pas que tu touches le sol avec genre. Il nous faut des plateformes pour jouer de la musique, attends. Y a pas vraiment d'objectif où on essaie juste d'aller le plus loin possible sur le modpack.
Oh, t'as vu là, comme c'est grave. Alors du coup, on est où? On est là. On dirait un film d'horreur. Là. Je vais faire demi-tour. Oh Emal, tu manques quelque chose. Désolé. Pourquoi elle marche plus mal, Jug? Non, ça m'intéresse pas le FFS. Des fois elle veut pas fonctionner, moi. Ouais, c'est ça qui est embêtant. J'essaye de faire un. Enfin, Sati, quand je l'ai dit, il était pas là avec elle, donc c'est normal qu'il pose la question. Ah, c'est ça. Ah, j'ai reconnu. Ah, je suis pas loin. Au clair de la lune. Ouais. C'est pas évident. T'inquiète pas, François. François est en mode, mais what? Le titre de cet épisode, ça va être vu et revu. Et la prochaine fois, c'est la musique des Systems, des Simpsons. C'est le gars trop chaud avec 28 jugs dans les mains. Malheureusement, c'est tu peux pas enchaîner fou. Les vues, c'est obligé d'être décalé. C'est obligé d'avoir une musique lente en fait. Bah attends, on peut donner plein de vues avec des pitchs différents à 20 dix, comme ça pour faire de la musique. Bah là, on a fait à peu près tous les sons, hein, je pense. Attends, vue, un vue grave. Voilà. Un peu moins grave. Ah oui, il y a le fer ici. Ok, on retourne ici où il y a la dacite. Donc c'est là où j'avais trouvé l'hématite. Mais ici on n'a rien. On a que dalle là. Salut Pégago. Oh c'est bon. Ouais, il fait son concert là-bas là. Je le vois, tu sais, regarder partout et à faire des vues. En haut en bas. Basiquement. C'est où que je suis descendu? Ah peut-être ah. Vu. Quand ML reviendra, on fera un concert. Ah bah non, attends, on doit rejoindre ML, c'est vrai. J'oubliais. On le rejoindra à la prochaine séance de record. Pour faire le dirigeable. ML. Oui. Oui. Sphalérite. Tu veux la sphalérite? Oui. Tu veux voir mon sphalérite? Oui. Non. Du coup, c'est hématite. Tu veux voir mon zouzou? Trace of hématite. On va quand même. Du coup, on va rejoindre ML là, on y va? Non, là, il est trop tard. On va arrêter la séance de record ici. Je suis juste. Ok. Et les boutons une dernière. Ce sera fois. Pour la prochaine fois, les amis. Yes. Alors, attendez. Je me pose dans un endroit safe. Ici c'est plutôt safe. Je vais me téléporter dans l'autre dimension. Oh d'ailleurs là-bas il y a des torches. C'est peut-être par là-bas qu'il faudrait que je passe. Bon, on va rester là pour maintenant. Je vais couper l'enregistrement. Et du coup, nous c'est pareil. Paf!
déconnexion. On s'arrête là pour le stream. Dans un petit backup. Voilà. Du coup, je vais regarder s'il y a quelqu'un que je peux host. Yes, du coup, ça va être pareil chez moi. Je vous fais à tous de très gros bisous. Rendez-vous la prochaine fois. C'est quand qu'on fait Célestia, ouais. Mercredi soir. Mercredi, bah c'est demain. Ouais, mercredi soir. Ok, bah je vous dis à demain pour du Célestia, les amis. Tchou-tchou. Yeah. Partir de 20h. À demain pour autre chose. Voilà. Bisous. Sur ce, bye.